enfants, sans qu'on ne leur dise dans le micro, eux-mêmes se sont arrêtés. Ils ont compris que là, ce n'est plus le prophète qui va parler. Ce qu'on va lire là, c'est celui qui est allé à la croix pour moi. Soyez bénis de vous être levés. C'est ça, la bonne attitude spirituelle. Alors, vas-y. 1 Jean chapitre 2, versets 14 à 17. Je lis la parole de Dieu avec respect et considération. Parle Seigneur, nous t'écoutons. Je vous ai écrit, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous ai écrit, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous ai écrit, jeunes gens. Je vous ai écrit, vous, jeunes gens. Parce que vous êtes fort. Parce que vous, vous êtes fort. Et que la parole de Dieu demeure en vous. Et que la parole de Dieu demeure en vous. Et que vous avez vaincu le malin. Et que vous avez vaincu le malin. Verset 15. Verset 15. N'aimez point le monde. N'aimez point le monde. Ni les choses qui sont dans le monde. Ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde. Reprends encore. Verset 15. Oui. N'aimez point le monde. N'aimez point le monde. Ni les choses qui sont dans le monde. Ni les choses qui sont dans le monde. Jaguar est là. Yes, Daddy. Donne-moi encore un peu de jus, Jaguar. N'aimez point le monde. Ni les choses qui sont dans le monde. Oui, vas-y. Si quelqu'un aime le monde, si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. L'amour du Père n'est point en lui. Verset 16. Verset 16. Car tout ce qui est dans le monde. Car tout ce qui est dans le monde. La convoitise de la chair. La convoitise de la chair. La convoitise des yeux. La convoitise des yeux. Et l'orgueil de la vie. Et l'orgueil de la vie. Ne vient point du Père. Ne vient point du Père. Mais vient du monde. Mais vient du monde. Verset 17. Verset 17. Et le monde passe. Et le monde passe. Et sa convoitise aussi. Et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu. Mais celui qui fait la volonté de Dieu. Demeure éternellement. Demeure éternellement. Parole du Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Eric Taou, relis-moi le texte de façon vivante. Sinon, il a été à mon sens, très mou. Relis le texte. Amen. Je vous ai écrit ces choses. Je vous ai écrit ces choses. Père, parce que vous avez connu. Père, parce que vous avez connu. Celui qui est. Celui qui est. Dès le commencement. Dès le commencement. Je vous ai écrit. Je vous ai écrit. Jeunes gens. Vous aussi les jeunes de votre époque. Parce que vous êtes forts. Parce que vous les jeunes, vous êtes forts. Et que la parole de Dieu. Et que la parole de Dieu. Demeure. Demeure. Demeure en vous. Demeure en vous. Et que vous avez vaincu. Et que vous avez vaincu. Le malin. Le malin. N'aimez point le monde. N'aimez point le monde. N'aimez point le monde. Je vous pose la question. N'aimez point le monde. N'aimez point le monde. Ok. Ni les choses qui sont dans le monde. Ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde. Si quelqu'un aime le monde. L'amour du Père n'est point en lui. L'amour de Dieu. L'amour de Jésus-Christ. L'amour du Père n'est pas en lui. Car. Tout ce qui est dans le monde. Tout ce qui est dans le monde. La convoitise de la chair. La convoitise de la chair. La convoitise des yeux. La convoitise des yeux. Et l'orgueil de la vie. Et l'orgueil de la vie. Ne vient point du Père. Ne vient point du Père. Mais vient du monde. Mais vient du monde. Si et le monde passe. Et le monde que vous voyez la passe. Et sa convoitise aussi. Et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu. Mais celui qui fait la volonté de Dieu. Demeure éternellement. Demeure éternellement. Amen. Amen. Parole du Seigneur, rassoyez-vous. Sois béni, sois béni, sois béni, sois béni. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin, voisin. Amen. Dis voisin. Amen. Ce n'est pas le moment de causer. Hein? Ma fille, est-ce que tu peux parler à celui qui est à côté? Est-ce que tu peux parler à côté? Dis voisin. Je te sens même pas encore vivant. Hein? Dis voisin. Dis voisin. Il y a un temps pour tout, tu sais. Répète ce qu'il dit. Il y a un temps pour tout. Est-ce que tu sais ça? Il y a un temps où on peut faire notre causette. Mais là, maintenant où je te parle. Ce n'est pas un temps pour que tu me parles. C'est un temps pour que Dieu me parle. Donc vraiment voisin. Parle avec lui. Donc vraiment voisin.
vraiment voisin. Ce n'est pas que je ne t'aime pas. Mais pardon. Pardon. Laisse-moi suivre. Alléluia. Bien-aimé, voici un esprit sur lequel. Voici un esprit sur lequel le diable compte pour remplir l'enfer. Voici un esprit manifesté à la fin de ces temps. Si vous voulez, voici un esprit manifesté pour ces temps de la fin. Ce n'est pas n'importe quel esprit. Ce n'est pas un démon guerrier. Ce n'est pas un esprit humain. Ce n'est pas un esprit de mari de nuit. L'esprit duquel je vous parle s'appelle l'esprit du monde. Oui. Dans la démonologie, les démons qu'on chasse là, il y a un démon que vous ne connaissez pas, dont vous n'avez jamais entendu parler. Ce démon s'appelle l'esprit du monde. Aujourd'hui, je vais vous dire beaucoup de choses. Mais beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Si dimanche passé, tu as été béni, tu n'as pas idée de comment Dieu va te surbénir ce matin. Donc, il faut bien m'écouter. Cet esprit est un esprit dangereux. Cet esprit est un esprit qui existe bel et bien. Et cet esprit a réussi même à s'introduire dans l'église de Jésus-Christ. Il a réussi à séduire certains hommes de Dieu. Plusieurs, sinon, hommes de Dieu. Beaucoup d'entre eux. Beaucoup. Plusieurs sont rentrés dans des messages du genre séducteur, des messages subliminaux, des messages, des coachings. Je ne t'avais pas vu, hein, pasteur. Sois béni. Sois béni. C'est pasteur Josué. Sois béni. On peut acclamer le Seigneur pour son serviteur. Ah! En fait, je ne suis pas très physionomiste. Waouh, waouh, waouh. Sois béni. Alors, je disais, beaucoup sont entrés aujourd'hui dans la tendance du moment. Les messages sur le coaching, les messages, comment on appelle ça, développement personnel, les messages de motivation. En un mot, des messages en fait subtils. Qui n'ont carrément rien à voir avec l'évangile de Jésus-Christ. Des messages motivateurs qui n'ont rien à voir avec l'évangile de Jésus-Christ. Amen. Et cet esprit a réussi à refroidir l'amour d'un grand nombre. Plusieurs enfants de Dieu, morts, éteints. Pourquoi? À cause de leur refus maintenant d'apprécier la bonne parole de Dieu. Quelle est la bonne parole de Dieu? La Bible dit en hébreu, sa parole est semblable à une épée à deux tranchants. Comment est-ce qu'on appelle la parole de Dieu? Elle a deux noms. La parole de Dieu a deux noms. La parole de Dieu est le pain de vie et elle est l'épée à deux tranchants. Voici comment la Bible a nommé la parole. Pain de vie, épée à deux tranchants. Ça veut dire épée à double face. Épée, recto, verso, les deux jouent le même rôle. Vous me suivez? Mais vous allez être bénis. Attendez un instant. Et frère, quand la Bible donne plus de détails sur cette parole qui est une épée, il dit, elle a pour but de frapper à l'intérieur de toi pour séparer moelle et jointure. Alléluia. En un mot, qu'est-ce que cela veut dire en disant moelle et jointure? C'est une façon de dire séparer l'ivraie du bon grain. C'est une façon de dire
séparer ce qui est de Dieu et ce qui n'est pas de Dieu. Donc vous voyez, la parole de Dieu, ce qu'elle fait, son but n'est pas de te caresser dans le sens du poil. Son but n'est pas d'être ami à toi. La parole de Dieu, son but n'est pas d'être en copinage avec toi. La parole de Dieu, son but, c'est de te redresser, t'éduquer, t'encadrer, te discipliner. C'est ça la parole de Dieu. Vous comprenez? Te consoler, t'édifier, te fortifier, t'exhorter, c'est ça la parole de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Mais nous avons laissé la parole de Dieu telle que donnée, transmise par nos pères, les apôtres, pour maintenant entrer dans une sorte de message d'actualité ou de message actualisé sous prétexte que notre évangile doit se mettre à l'air, sinon à l'air du temps. Frère, le monde passe, la terre passe, les hommes passent, les royaumes se succèdent et passent. Mais il n'y a qu'une seule chose qui est immuable. Il n'y a qu'une seule chose qui ne change pas. Il n'y a qu'une seule chose qui ne grandira jamais. Il n'y a qu'une seule chose qui ne diminuera jamais. Il n'y a qu'une seule chose qui ne grossira jamais. Il n'y a qu'une seule chose qui ne rétrécira jamais. Il n'y a qu'une seule chose qui est telle qu'elle a toujours été. C'est la parole de Dieu. Dans nos églises, le refus d'accepter la parole qui va nous discipliner, qui va nous recadrer, qui va nous donner le caractère, l'allure de Christ. Cette parole-là, aujourd'hui, nous en sommes devenus ennemis. Quand on l'entend ou quand quelqu'un la prêche, on ne l'applaudit pas. Quand quelqu'un la prêche, on trouve que c'est un pasteur qui n'a rien à dire, il est démodé. C'est un pasteur de l'antiquité, de l'ancien temps. Mon ami, il faut te réformer. Tu es dans toi, tu es dépassé. Ton évangile là, c'est dépassé. C'est pas ça que tu as gagné les jeunes. Pour gagner les jeunes, faut avoir forcément leur langage. Faut être vulgaire comme eux. Et on voit des pasteurs, je ne vais pas les appeler des pasteurs, on voit des races de vipères, des pantins sur les réseaux sociaux se faisant appeler pasteurs avec des vulgarités, des mots que quelqu'un qui a temps normal respecte le sacré ne peut pas dire. On entend des choses et quand on parle, ils disent même Jésus même aussi a insulté les gens. Jésus a insulté qui? Jésus a insulté qui? Jésus a insulté qui? Dis à quelqu'un hypocrite, c'est une injure? C'est jamais une injure. Un hypocrite, tu sais ce que c'est? C'est pas une insulte. C'est pas une insulte. C'est quelqu'un de fou, de faux. En quoi c'est une insulte? Si c'est ce que tu es, je te dis ce que tu es. Sinon, si c'était une insulte, la Bible nous aurait retranscrit que Jésus a commis une seule fois un péché dans sa vie. Mais pourquoi la Bible dit jamais un péché ne s'est trouvé en lui? Or, il disait aux gens hypocrites. Il allait même jusqu'à les traiter de race de vipères. Ou bien, comme vous voyez race de vipères, là, pour vous, ça veut dire c'est injure. Jamais. Qu'est-ce qu'il veut dire quand il dit race de vipères? La vipère, sinon, ici, la vipère, c'est l'image du serpent qui a la langue fendue en deux. C'est pour dire, voici des gens qui disent une chose qui font le contraire. Ce n'était pas des injures. Si vous n'avez rien à dire, ne venez pas prendre vos vulgarités, votre nature, ce que vous êtes, pour faire croire que, non, pour avoir les jeunes gens sur Facebook, il faut se faire passer pour eux. Alléluia. Et on a aujourd'hui des chrétiens qui sont friands de ce genre de choses, qui aiment les pasteurs choco, les pasteurs stylés, les pasteurs boucantiers, les pasteurs yéyé, fanfaron, orgueilleux, gueulard,
les pasteurs vantards, les pasteurs qui exhibent le bien, qui exhibent le matériel. Aujourd'hui, on voit ces pasteurs 2.0 chic, bon genre. Ces pasteurs un peu olé olé, tellement frais sur lui que mon frère, mon ami. Et quand on parle, on nous dit, le Dieu que nous servons, c'est un Dieu qui est propre, c'est un Dieu qui est ceci. Qui vous a dit que Dieu nous a demandé à nous les chrétiens d'être sales? On n'a pas demandé d'être sales, mais on dit, toi, ta façon là, ta manière, tu y es là, ça là. Ça là, ça n'a rien à voir avec l'évangile de Jésus-Christ. Ça là, ça n'a rien à voir avec l'évangile de Jésus. Alléluia. Amen. Le véritable message de l'évangile consiste à prêcher l'enlèvement. Consiste à prêcher l'avènement de notre Seigneur glorieux. Le véritable message de l'évangile consiste à prêcher l'amour de son prochain, l'amour des veuves, des orphelins, l'amour de Dieu. Le véritable message de l'évangile consiste à prêcher la sanctification. Le véritable message de l'évangile consiste à parler sur le péché. Mais, nous avons une génération de chrétiens qui ne veulent pas entendre un évangile assez rude, assez fort. Pourquoi? Parce que ces chrétiens ne veulent pas faire le dépouillement de soi. Ces chrétiens ne veulent pas aller à fond, en profondeur dans leur vie spirituelle. Elles veulent rester juste au bord de l'eau, en bordure de l'eau. Frère, écoutez-moi. La vraie parole de Dieu va te prêcher le dépouillement. La vraie parole de Dieu va te prêcher la sanctification corporelle, la sanctification de ton corps. La vraie parole de Dieu va te prêcher la sanctification vestimentaire. Aujourd'hui, on voit dans nos églises des sœurs même qui viennent s'arrêter là pour rendre témoignage, parler de Jésus-Christ. Hein? Dans la maison de Dieu. Hein? Et puis elle est en bras mince. Qui vous a dit que ça là c'est biblique? Ou bien parce qu'on ne parle pas? Ma fille Thérèse, lève-toi. Marie-Thérèse, lève-toi. Baisse tes mains. Au moins les manches là, c'est présentable. Ma fille qui est à côté de Marie-Thérèse là, lève-toi. Au moins les manches là, c'est présentable. Mais on a des chrétiens nouveaux modèles. Bon chic, bon genre. Ma fille qui est en rouge là, lève-toi. Je peux comprendre que ma fille là, c'est peut-être ce qu'elle a, qu'elle a porté. On est d'accord? Quand c'est dans ce genre de cas, l'église, Dieu nous demande de faire preuve d'amour, de partager. Jésus dit, celui qui a un manteau, si tu sais que tu as un manteau, tu as constaté que ton frère est dans le même vêtement, on n'a pas besoin de te dire. Tu vas vers lui et puis tu fais parler ton cœur. Ma fille, lève-toi. Jamais, viens. Viens ici. Jamais un seul instant, la parole de Dieu ne nous a recommandé de nous vêtir de la sorte, de ce genre. Non, ça c'est pas une tenue d'église. C'est pas une tenue de chrétien qui vient à la rencontre de son Dieu. Quand tu viens à la rencontre de ton Dieu, la Bible dit, couvre-toi. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens là, eux-mêmes ils sont pourris avant. Ils sont possédés il y a longtemps.
Il y en a, eux, ils sont là, ils fantasment sur les mollets des femmes. Il y en a là, eux là, oui. Vous savez pas ça? Ma fille, regarde, rassois-toi. Il y en a là, ils fantasment sur les mollets des femmes. Il y en a là, eux là, tu les vois, ils fantasment sur les bras des femmes. Ils aiment les femmes en chair. Donc quand ils voient bras là, il est assis lui seul, il s'est fait des films dans la tête. Il y en a là, ils fantasment sur poitrine des femmes. Donc vos décolletés là, recoltez ça un peu. Hey, mais c'est la vérité. Personne ne veut voir ta grosse poitrine. Hein? Faut garder ça pour toi. Non. Ma fille, lève-toi. Ça, c'est pas sobre. Elle a porté sa chemise. Elle est habillée sobrement. Elle a mis son collant en bas. Mais sa chemise descend jusqu'à au moins. Voilà, c'est sobre. Il n'y a aucune intention de séduire. Il n'y a aucune intention de, c'est-à-dire, de choquer le Saint-Esprit. Mais on est maintenant dans un système d'église où nos hommes de Dieu, eux-mêmes, ils fantasment sur ça. Est-ce que vous voulez prêcher ce matin-là? La sanctification vestimentaire. Répète après moi. Dis la sanctification vestimentaire. Tous ceux qui ne sont pas avec moi ce matin là sont, ils sont du diable. Si tu n'es pas du diable, tu vas être avec moi. Répète la sanctification vestimentaire. Répète la sanctification corporelle. Maintenant, lève-toi, va vers cette personne. Il faut dire, apprends à te sanctifier en t'habillant. Vous qui êtes dedans, sortez, allez trouver les gens de dehors. Et vous qui êtes dehors, là, venez trouver les gens de dehors. Apprends à te sanctifier en t'habillant. Déplacez-vous, va trouver quelqu'un. Je vous ai dit, déplacez-vous. On s'est trop assis. Parle à quelqu'un, parle à qui tu trouves. Dis, apprends à te sanctifier en t'habillant. Sanctifie le nom du Seigneur en t'habillant. Sanctifie le nom du Dieu que tu dis que tu sais là en t'habillant. Maintenant, tous ceux qui vont en masse vers le portail là, vous partez faire quoi là-bas? Vous partez faire quoi là-bas? Je vous ai loupé, je n'ai même pas encore commencé. Je suis ici l'introduction. Revenez vous asseoir ici. Alléluia. Revenez vous asseoir.
Et maintenant, vous allez faire comme si vous voulez aller aux toilettes. Tu étais assis ici, là, tu ne voulais pas aller aux toilettes. On a commencé un peu, tu veux aller aux toilettes. Tu veux aller dans quelle toilette? Amen. Quelles sont celles qu'ils vendent là? Quelles sont celles qu'ils vendaient là? Quelles sont celles qu'ils vendaient? C'est la dernière fois que je pose la question. Et si vous ne levez pas vos mains, ce que je vais dire, je ne vais jamais la retirer. Quels sont ceux qui vendaient? Hein? Je ne vais pas voir ça. Hein? Vendez, mais laissez des consignes quand la parole de Dieu passe là. Je ne veux pas voir ça. Je ne veux pas de ça. Voilà. Vendez. Nous tous, c'est dedans, vous vendez et puis vous payez les dîmes. Continuez de vendre. Mais quand la parole de Dieu passe là, je ne veux pas voir ça là. Ok. Acclame le Seigneur Jésus. Vous savez, c'est important de discipliner le corps de Christ. C'est important. Chaque fois quand j'ai prié là, j'ai dit à mon Dieu, je sais que je serai l'un des pasteurs les plus détestés. Ça là, je sais. Même pas l'un même, peut-être le plus détesté. Pour le moment, ça n'a même pas encore commencé. Amen, ma fille, tu es bénie. Sinon, moi, je sais que les gens vont me détester. Parce que la manière, ils veulent prendre Côte d'Ivoire et puis amener Côte d'Ivoire dans je ne sais pas quoi, quel genre de feu là. Et puis n'importe quoi, la saleté dans l'église de Jésus-Christ aujourd'hui là. Et puis on est confondus, nous tous là. Mais ils vont comprendre qu'il y a quelque part dans un endroit, Yopougon là-bas, là, ce qui sort là-bas, là, c'est parole de Dieu. Il y a longtemps, on n'entend pas ça. Ils sont là, ils caressent les gens dans le sens du poil pour ne pas perdre leur dîme, là. Pour ne pas perdre la dîme de ces gens-là. Si ces gens-là ne viennent plus, là, il ne faut pas venir. Il y a aller te chercher chez toi et puis il mène dans ton oreille encore. Si tu es dans la joie, acclame le Seigneur Jésus de Nazareth. Amen. Donc, écoutez-moi. Donc, la sanctification n'est pas seulement que physique. Du moins, elle n'est pas seulement que corporelle. Ou si vous voulez, elle n'est pas seulement que sexuelle. La sanctification, elle a jusqu'à quatre dimensions. Il y a la sanctification corporelle. La dimension corporelle, c'est la dimension sexuelle, la dimension du corps, où tu ne donnes pas ton corps à quelqu'un, excepté celui qui t'a marié. La deuxième dimension de la sanctification, c'est la sanctification vestimentaire. Comment tu t'habilles en tant qu'enfant de Dieu? Tu fais la promotion de ta maman, mamie Wata, ou bien tu fais la promotion de Christ? Quand toi-même tu t'habilles là, est-ce que tu es contente de te regarder pour sortir? Dieu t'a béni en te donnant les formes généreuses que tu as, c'est une bénédiction. Le Seigneur ne te demande pas de porter bâche pour sortir, ce n'est pas ce qu'il te dit. Mais il dit quand tu t'habilles là, couvre-toi. Il ne faut pas que ça soit extrêmement court, faut que ça soit normal. C'est-à-dire, n'amène pas quelqu'un à dire, toi, tu as fait qu'il t'a désiré. Après la sanctification vestimentaire,
La deuxième sanctification, la troisième sanctification, celle que je vais toucher, la sanctification du langage. Beaucoup de chrétiens ont un palais sale. Beaucoup de chrétiens plaisantent surtout. Un enfant de Dieu qui plaisante est du diable. Ah, si tu ne sais pas, je vais te montrer le verset biblique qui dit, chrétien, ne plaisantez pas. Qui vous a dit plaisanterie là, c'est de Dieu? Quand tu passes ton temps à plaisanter, le jour maintenant tu veux ouvrir ta bouche pour dire, au nom de Jésus, j'ordonne que ce malade soit guéri. Rien ne se passe. Parce que ta bouche est une bouche de plaisantin. Dans le ciel, quand tu ouvres ta bouche là, quand on te dit, mon plaisantin là, ce qui est dans sa bouche là, c'est connerie. Donc au ciel, on ne te prend pas au sérieux. Parce que tu ne passes ton temps qu'à plaisanter. Je ne sais pas si je me fais comprendre. En fait, on te prend comme quelqu'un qui n'est pas sérieux. La sanctification du langage, les grossièretés, les vulgarités, les propos désobligeants ne doivent pas sortir de votre bouche. Il y a des gens là, excusez-moi, hein, vraiment excusez-moi, mais il y a des gens là, dit Kiki de garçon avec Toto de femme là, le mot cul que vous connaissez là, c'est comme rien devant eux. Quand il fait un petit truc, c'est lui qui regarde, excusez-moi les mamans, pardonnez, j'attrape vos pieds. Quand il fait quelque chose, ta mère con. Est-ce qu'un homme sensé peut dire même le mot là? Et maintenant, ils ont envoyé un nouveau mot à la mode là, Modia. Un peu seulement quand tu es là, Modia. Il ne faut pas y tomber ici, à cause de Modia. Hein? À cause de Modia. Si vous avez vu, j'ai failli tomber. Hein? Hein? Tellement le mot même est sale. Hein? Vous comprenez ce que j'ai dit? Comment toi tu es pasteur et puis ça t'amuse là? Modia. Alléluia. 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 Modia. Et puis c'est un jeu pour vous. Tu vas regarder et puis tu vas dire ta mère. Comment un homme normal qui a ce sens au complet? On voit de la vulgarité dans l'église. On voit de la saleté dans l'église. Et ces gens sont suivis par des millions de personnes. Ils sont applaudis par des millions de personnes. Mais nous allons voir pourquoi est-ce qu'ils sont applaudis par des millions de personnes. Nous allons voir. Je vais vous donner le verset. Un chrétien dont la bouche n'est pas sanctifiée. Un chrétien qui passe son temps à mentir. On t'a rien demandé. Tu viens, tu mens. Même quand tu as venu rendre témoignage, tu as venu toi-même, tu prends tes deux pieds et puis tu viens, tu es en train de mentir. Touche ton frère à côté, dis, sois délivré ce matin au nom de Jésus. Oh, touche le dis, mon frère, sois délivré au nom de Jésus. Dis ma soeur, sois délivré de ça là au nom de Jésus. C'est-à-dire, on ne t'a rien demandé. Hein? Toi-même, tu prends tes deux pieds. Hein? Tu viens, tu t'assois. Et puis tout ce que tu es en train de dire là, c'est Baba Doué. Ah! C'est-à-dire, il n'y a même pas un peu de filtre dedans. Tu es brut dans ton mensonge là. Avec un air sérieux. Les chrétiens n'ont pas la bouche sanctifiée. Donc du coup, quand elle est en face d'un cas, sa propre fille est malade. Quand elle impose les mains et prie, sa prière ne monte pas. Tu sais pourquoi? Le démon de la plaisanterie vient dire, quand tu savais que tu es ma servante, tu me sers. Tes conneries, tu dis ici depuis le matin, chaque jour, là, tu crois que ta bouche va faire sortir quoi de pur? Tu crois que ta bouche va faire sortir quoi d'efficace? Tu penses que Élie était un prophète qui plaisantait? Tu crois que pour être à mesure de fermer le ciel, là, c'est une bouche qui parle dans le vide? Quand tu lis ta Bible, on t'a dit qui, lequel des personnes qui est née d'une femme a eu un tel cran jusqu'à aller fermer le ciel. Tu as vu ça où? Tu penses que c'est des bouches qui parlent, tu penses que c'est les pasteurs bizarres qui parlent, plaisantent surtout, grossièreté sortait dans la bouche d'Élie. Quand Élie ouvre sa bouche pour parler, le ciel tremble. Pourquoi? Sa bouche est sanctifiée jusqu'à ses pas de Dieu. Donc quand lui il parle sur toi là, ça ne met pas deux jours pour arriver. C'est ça qui fait que vos paroles ne pèsent plus rien. Ce que vous déclarez là, ça ne fait pas peur à quelqu'un.
Sorcier te regarde et puis il te pèse, il dit, il a dit quoi même celle-là? La sanctification du langage. La quatrième et la dernière sanctification, c'est la sanctification de la pensée. Il y a des gens là, ils sont assis, et puis leur pensée laisse tomber. My God. Leur pensée seule fait film. C'est-à-dire, il est assis hein, dans sa pensée, il est en train de tourner film pornographique dedans. Dans sa pensée, il est en train de tuer quelqu'un dans l'église ici, en même temps dedans. C'est-à-dire, lui seul dans sa pensée. Haine est remplie dans son cœur, jusqu'à jalousie, jusqu'à, faut pas bonheur va arriver aux autres. C'est lui seul dans sa pensée. Hein. Sa pensée est sale, impervers. Les conneries, il a regardé depuis 1900, comme quand il se couche, là, il dort là. Lui seul, il est là. Quand tu vois, il fait le frère, le film qui vient de passer dans sa tête. Il faut laisser le film qu'il a fait passer tout de suite là. Frère, même Hollywood va refuser de produire ça. Alléluia. Est-ce que vous êtes là avec moi ce matin? Amen. Et cet esprit, appelé l'esprit du monde, qui a infiltré l'église de Jésus-Christ au jour d'aujourd'hui, qui est l'allié sur lequel Satan compte pour amener un grand nombre de personnes à l'enfer, cet esprit, c'est le dernier sur lequel Satan compte. Satan a misé tout son cœur sur cet esprit. Mais je vais vous donner ses caractéristiques. Vous êtes pressés, je viens. Cet esprit qui a réussi à infiltrer l'église et qui a réussi à la corrompre a conduit l'église dans toutes sortes d'excès, dans toutes sortes de pratiques, dans toutes sortes de séductions, dans toutes sortes de luxures, dans toutes sortes de calomnies, dans toutes sortes de querelles, dans toutes sortes d'égo surdimensionnés qui refusent de se laisser briser par la véritable parole de Dieu. Et c'est cet esprit-là qui fait ça. Il y a des gens dans l'église, ils ont un ego surdimensionné, orgueilleux, jusqu'à ils ne se sentent pas. On dit, prosternez-vous pour prier, tu as le voir, il est assis gaillardement. On dit, va dire à ton frère, tout le monde va se lever, tu as le voir, lui, il est assis gaillardement. On dit, acclamez, tu as le voir, il est assis, répétez après moi, il est assis comment? Gaillardement. Tu vas voir, on dit, comment on appelle ça? Levez-vous, partez à la maison. Tu vas le voir, il est assis encore, gaillardement. Tu vas le voir, on lui dit bonjour. Tu vas le voir, il est assis, gaillardement. C'est-à-dire, son ego surdimensionné, avec lequel lui, il est venu à l'église, là. Il n'est pas venu pour que la parole de Dieu le transforme. Et on en voit plein dans nos églises. Elles sont pleines dans nos églises. Si tu dis un petit mot, oh, je suis frustré, je ne viens plus dans l'église là. On m'a frustré. C'est vous, on frustre seulement. Et ça fait que les pasteurs ont commencé à tomber dans la compromission parce que, ayant peur de perdre tel fidèle, mon frère, la seule personne que j'ai peur de perdre, écoute-moi bien, Jésus-Christ. Jésus-Christ. Les fidèles, on ne peut pas. Non, ce n'est pas possible. Tu as préparé ton message, tu viens, tu prêches. Oh, le pasteur, il a prêché Simon aujourd'hui. Attends, tu pensais qui a ton temps et puis à cause de toi, lui, il va se lever la nuit. Toi, tu sais à quelle heure je prépare mes sermons. Et tu sais, je reste assis de quelle heure qu'à quelle heure. Demande à ma femme, elle va te dire Simon, je dors. Mes enfants me demandent même si je suis un robot. Tu sais, il a dormi à quelle heure hier? Avant-hier. Tu sais, il a dormi à quelle heure? Simplice, c'est à quelle heure avant-hier on a dormi? 7h du matin. De minuit à 7h. Toute la semaine, vous ne me voyez pas faire direct là. Il était en prière. De quelle heure à quelle heure? Minuit 7h. Demandez. Eric, t'as où? De quelle heure à quelle heure? Minuit 7h. Toi, tu n'étais pas là? Vous ne veniez pas? Toi, tu t'amuses, hein? De toute façon, je forme mes enfants.
on me dit, papa, réponds-toi, j'ai dit, hey, j'aurai le temps de me reposer quand j'irai être au ciel. Donc toi, tu penses que moi, je prends mon temps, je m'assois, je prends pic et feuille, et puis je pense à ta vie, et puis je fais tes mains, ça. Ah, faut me respecter, hein. Faut me respecter. Comme la parole de Dieu, là, c'est ce qu'il était dit au début. So, elle a deux noms. Elle est le pain de vie, et elle est quoi? Elle est l'épée à deux tranchants. Donc, comme la parole de Dieu, là, ça chicote ici, et puis ça chicote ici, c'est ça qui va faire que toi, tu vas te sentir aussi concerné dans mon message. Sinon, c'est pas comme si je m'assois et puis je pensais à toi-même par rapport à quoi. Et dans nos églises aujourd'hui, hein, est-ce que tu as vu le message du pasteur là? Il y en a même, ils sont même de maison en maison. Il dit, oh, comment tu as trouvé le culte? La personne dit, ah, Dieu s'est manifesté. Oh, laisse le côté, il y a eu guérison, laisse tout ça. Mais dans le message là, tu n'as pas senti l'autre côté où il parlait et puis l'exemple là. Alléluia! Alléluia! On voit ça dans les églises. On voit ça dans les églises. Mais j'ai béni Dieu pour les racheter du Christ. Mes enfants qui ont commencé avec moi, quel messager ils n'entendent pas ici? Je prêche, je les cogne à gauche, je les cogne à droite, mais ils sont calés. Soyez bénis au nom de Jésus. Non, moi je ne parle pas des frères, mais dans d'autres églises, ceux qui tiennent le pasteur, il n'a pas qu'à de parler. Frère, et qu'est-ce qui fait ça? C'est l'esprit du mort. Je viens. On va le dépeindre, on va le décortiquer. Amen. Donc cet esprit nous amène à aimer les choses terrestres, les choses de la terre, les richesses de la terre, les plaisirs de la terre. Et non de nous affectionner des choses du ciel et les exigences que cela demande. Donc cet esprit-là n'aime pas que tu t'affectionnes des choses du ciel et les exigences que cela te demande. Mais cet esprit t'amène à aimer les choses de cette terre. Amen. Il nous déconnecte de notre but ultime, qui doit normalement être le ciel. Cet esprit-là nous déconnecte de ce but. Il nous amène à penser désormais comme suit. Comment être riche? Comment être riche? Comment y est prospérer? Comment y est voyager? Comment je vais voyager? Il y en a qui s'élèvent d'église en église. Ah, on m'a dit, il y a un prophète quelque part là. Quand il prie, Dieu exauce. Donc, ah, il est parti là-bas, il va prier pour qu'il voyage. Si c'est à cause de ça, tu es venu ici là. Bonne arrivée. Moi-même, je ne suis pas encore allé quelque part. Moi, il peut te faire voyager, puis moi, mais il ne s'est pas encore parti. Hein? Bon, hein? Alléluia! Amen! Est-ce que tu sais qu'il y a un prophète à Yopougon? Mais on dit, il voit. Mon frère, il voit, et puis moi, mais il ne me voit pas là. Ce que je vais vous dire, c'est quoi? Ce genre de choses ne doivent pas être le but ultime pour lequel nous venons à l'église. Patrice est là? Viens. Ce monsieur, quand
je le rencontrais pour la première fois. Il était venu à une réception. À cette époque-là, je recevais en bas d'un arbre que je salue. Ab, je te passe un petit bonjour. Parce que l'arbre m'a reçu au moins... Et moi, il a reçu les gens et puis lui, il m'a reçu aussi. Pendant au moins un an presque et demi. Et il est arrivé là, mal en point à cause des histoires de cigarettes. Bon, la fois dernière, je pense il a dû rendre témoignage. J'ai écouté son témoignage, mais personnellement, moi, ça ne m'a pas édifié. Personnellement, ça ne m'a pas édifié parce que Dieu a tellement fait pour ce monsieur que normalement, ce n'était pas avec la nonchalance à laquelle il a rendu son témoignage qu'il devait rendre ce témoignage-ci. Bon, il a été peut-être un peu pressé et tout, mais moi j'aurais aimé que sa femme, à la sortie de sa femme, du bébé, du beau bébé, il a fait un beau petit garçon, sa femme soit à côté, le bébé à côté, et il parle. Et sa femme parle. On acclame le Seigneur pour l'arrivée de son serviteur, prophète Prosper, et son épouse et sa délégation. Faites-les entrer. Faites-les asseoir. Voilà. Mettez le pasteur là. Mettez le pasteur là et son épouse. Mettez le pasteur là et son épouse. Voilà. Là. Complétez les chaises. Voilà. Complétez les chaises pour. Ça va, tout le monde a pu s'asseoir. Ok, d'accord. Alléluia. Alors, mon fils que vous voyez, ça va? Vous me suivez? Si tu es là, fais comme ça. Mon fils que vous voyez, Jésus a tellement, mais tellement fait dans sa vie. En fait, peut-être qu'il ne voulait pas vous faire pleurer en vous rendant ce témoignage. Parce que s'il voulait rentrer dans les détails, on n'allait pas quitter ici. Mais bon, si personnellement, il m'en avait parlé, j'aurais dit, attends que ton épouse ait fini. Et puis vous allez rendre ton témoignage ensemble. Ton témoignage là, ça allait guérir beaucoup de cœurs. Le monsieur que vous voyez là, il était... Il travaillait à choses, c'est où même? Il travaillait, en tout cas il était grand quelqu'un à Move au Togo. Pour rien comme ça, il a perdu son travail. Galet et lui, fiançailles dans lequel ils sont rentrés là, c'est pas du jeu. Donc pour noyer ses soucis, depuis jeune même, avant même, lui-même quand il était jeune, il fumait. Donc imaginez maintenant, il ne travaille plus. Comment là maintenant, il va aggraver même à une cigarette? Ça gâtait tous ses plaies à l'intérieur de sa poitrine, tout. Et c'est comme ça, le Seigneur Jésus de Nazareth, dans sa bonté infinie, va permettre qu'il me rencontre. Donc il est venu. Vous savez, et j'ouvre une parenthèse. Dis à ton frère, écoute bien maintenant ce qu'il va dire là. Bien aimé, répète, écoute bien ce qu'il va dire là. Vous savez, la rencontre qui peut changer votre destinée là, hein? Ou le manteau qui peut changer votre destinée, ou l'homme de Dieu, par qui Dieu peut bouleverser votre destinée là, quand tu vas le voir, il va être insignifiant. Écoute-moi très bien, il n'aura pas eu, ça dit, il n'y aura pas de bling-bling, de quoi. Ça va être au point où quand toi-même tu vas voir, tu vas penser que ça sera le même lot de ce que toi tu as rencontré depuis toujours. De toute façon, on m'a arnaqué, on m'a escroqué, on m'a quoi. Donc du coup,
En fait, le diable va venir te présenter l'ancien catalogue, vous comprenez? Et tu amènes tout le lot, tout le monde dans le lot. Au point où tu peux passer à côté de quelque chose. Or, Dieu sait pourquoi il a permis ça. Donc, quand il est venu, on s'est vu à la réception, on a échangé tout. Quand on a fini d'échanger, il a expliqué le mal qu'il avait. Au moment où je voulais prier pour lui, le Seigneur dit ne le touche pas. Donc, je ne l'ai pas touché. J'entends le Saint-Esprit qui me dit, dis-lui de faire, c'est combien de fois? Non, c'est 12. Le Seigneur m'a dit, dis-lui de faire 12 fois le tout. Et je lui ai dit, bon, écoute, lève-toi, va faire. Or, dans son état, hein, le mal qu'il avait, c'était impossible. Mais vous savez, si tu es avec un prophète et qui n'a pas fini par devenir un peu bizarre, c'est que vraiment, il n'est pas vraiment bien rentré dans sa peau de prophète. Parce que par moment, Dieu peut amener le prophète dans quelque chose que peut-être lui-même ne comprendra pas. Donc moi, je lui ai dit, lève-toi, va faire tant. Il a fait. Voilà comment il a eu la guérison. Après ça, sa femme était entre la vie et la mort. Et le Seigneur m'a amené, mon épouse et moi, à partir là-bas. On est parti. On a imposé les mains à sa femme. On a prié. Et Dieu l'a ranimée. Celle qui était depuis combien de temps alitée, qui se voyait partie, qui disait au revoir à ses enfants, à son mari, à tout le monde, est revenue à elle. Et quand elle est revenue à elle, elle a commencé à être plus zélée que lui. Elle a commencé à être plus assidue. Elle s'est faite baptiser tout. Lui, il hésitait, machin, tout. Et Dieu l'a restauré au fur et à mesure jusqu'à un moment donné. Le frère, qu'est-ce qui va se passer? Le Seigneur nettoyait à côté. Hein? Or, Dieu savait que son problème central, c'était le travail. Je peux t'aider? Dieu te connaît. Il connaît le problème central. Il sait ce que tu veux qu'il règle maintenant. Mais, comme Dieu, lui, il ne fait pas ces choses comme un homme le ferait là, lui, il ne se presse pas. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend d'abord la peine de nettoyer à côté là. Entends-toi, tu as dit, oh, mais moi, tout ça, ça ne m'intéresse pas. Ça, ce n'est pas ça mon sujet central. Tu comprends? C'est pas vrai? Hein, ma fille? Mon sujet central, je vais enfin. Hein? Il sait. Mais tu sais ce qu'il attend? Tu n'as rien demandé. Hein? Et puis, lui, il est là, il nettoie à côté. Tu vas voir, tu as ton cousin, peut-être. Sérigne, on le bat tapé, il est à côté de toi, Jésus le guérit. Tu vas voir, il y a tant ici, Jésus le guérit, telle autre personne. Aïe, mais Seigneur, et moi-même. Tu comprends? Et puis lui, là, il nettoie. Hein. En fait, il nettoie à côté. Il nettoie à côté. Tu sais ce qu'il attend? Il attend que toi. Parce que il attend que toi. Hein? Ton cœur cherche maintenant à aller vers lui pour dire, il n'y a pas une autre alternative. Pour moi, si c'est pas le Seigneur, tant que toi tu vas pas comprendre ça là, et puis tu es dans cette guéguerre, lui, cette lutte, lui, le Seigneur, merci, me connaît même. Moi, faut t'asseoir dedans. Ton âge est en train de passer, tu comprends? Alléluia, frère, dans ça, le gars. Un jour, pendant le jour de baptême, j'ai touché un point, ça a touché son cœur. Il a parlé jusqu'à... J'ai dit, mon fils, je n'entre pas dans les polémiques. Ce que ma Bible dit là, c'est ça que j'ai répété. Ce jour-là, il dit, non, lui, il ne se fait pas baptiser. Lui, il a déjà baptisé. J'ai dit, laissons ça là. Il vient à l'église. Chaque fois, il vient à l'église, je prêche. Il vient à l'église, je prêche. Vous savez, Dieu prend son temps. Il prend son temps. Il a le marteau qu'il peut prendre pour casser automatiquement ton orgueil. Mais c'est un Dieu tellement délicat. Dieu fait tellement ces choses avec maestria. Qu'il se dit, s'il casse un coup, le choc peut être violent,
Et il peut te perdre. Je ne sais pas si on se comprend. Donc, il prend son temps. Il prend les petits matos en nuit là. Et puis il tape un peu. Quoi, c'est dans ça là. Lui et toi, vous êtes dans 2 ans. Hein? Amen. Amen. Et où tu vas te rendre compte, toi-même, tu ne sais même pas comment Jésus t'a brisé et t'a dépouillé. Tu ne sais même pas comment tu ne vas plus d'en bas. Tu ne sais même pas comment Novelas ne t'intéresse plus. C'est-à-dire, là où toi, tu pensais que ça allait être violent, là, toi-même, tu ne sais même pas comment ça s'est passé et puis tout ça, ça ne t'intéresse plus. Je ne sais pas si on se comprend. Hein? En fait, toi-même, tu n'as même pas vu dedans. Hein? Dans cassure, là, toi-même, tu n'as même pas vu dedans. Et il te change. Où tu vas te rendre compte là? Lui-même, il est en train de te changer. Hein? Et toi, tu ne sais pas, hein? Tu ne sais même pas qu'il y a un travail qui s'est fait dans ton cœur. Il y a un travail qui s'est fait au fil et à mesure. Et tu ne sais pas. Et petit à petit, tous les dimanches, tu as envie, tu es pressé que dimanche arrive, tu as envie de venir au racheter. Toi, mais tu ne sais même pas pourquoi. Mais quand tu viens encore, la parole de Dieu te cogne encore. Tu es là. Et par moment, tu es là, tu luttes un peu, tu dis, oh, non, c'est trop loin. Non, oh. Et puis après, lui-même encore, il souffle encore dessus. Et puis il t'amène encore. Où tu vas te rendre compte là? Tu es délivré sans que toi-même tu saches comment ça s'est passé. Alléluia. Toi qui ne pouvais pas tenir sanctification, tu ne sais même pas comment ça fait. Un an, tu es dedans. Toi, tu n'as pas peur de lui là. Dieu, tu n'as pas peur de lui. Quand toi-même tu te regardes, est-ce que toi tu pouvais faire une semaine sans faire ça? Mais au lieu, ça fait combien d'années tu es dedans? Hein? Hein? Bonjour. Bonne arrivée. Amen. Amen. Et c'est comme ça, mon fils, là, quand il a fini de se faire baptiser, je crois que tu te fais baptiser, hein, tu t'es fait baptiser. Quand il a fini après de se faire baptiser, tout. Un matin, sa femme lui donne une idée. Bon, je ne sais pas si c'est sa femme ou bien si c'est venu de lui. Ils ont commencé à se lever. Et puis, ils viennent à la maison. Non, avant ça, j'avais pas de frigo chez moi. C'est ça? À ce moment, tu ne travaillais pas encore. J'avais pas de frigo chez moi. J'avais pris ma maison. J'étais dans la maison là. Il n'y a pas de frigo. C'est moi qui prends mes bouteilles d'eau. J'aimerais donner ça à mes voisins à côté. Pourtant, c'est moi qui chasse des démons dans tout le quartier. Alléluia. Et vous savez, il y a des fidèles. Quand Dieu va te le faire rencontrer, leur entrée dans ta vie change beaucoup de choses. Ils sont merveilleux. Et ils sont un. Et ils sont assis dans l'ombre, ils sont là calmement. Frère, donc lui il arrive, lui-même il se cherche, il ne travaille pas. Maintenant sa femme prend leur frigo là. Et puis elle envoie ça chez moi. Elle dit, nous, on ne peut pas boire l'eau glacée pendant que lui-même qui nous prêche la parole de Dieu, là, lui, il ne boit pas l'eau glacée là-bas. Bon, moi, je ne sais pas où elle a vu ça dans la Bible. Hein, mais en tout cas, elle a pris ça et puis elle a amené. Il y a des gens qui ont réussi à percer le mystère de la bénédiction. Quand ils ont envoyé frigo là chez moi, le jour où on a eu l'eau glacée là, ma femme et moi, bêté et soulagé. Frère! Frère! Et pour nous, c'était un trésor qu'on a eu. Et c'est dans ça. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, on finit à 16h? Amen! Il y a des papas Noël. Il dit, on va finir à 16h. Vous allez voir. On va finir à 16h. Aujourd'hui, il n'y a pas huile à distribuer. On va finir à 10. Vous allez voir. Hein? On ne va pas finir à 18h. Attendez. Il y a voir l'heure d'abord même. Il ne faut pas moi-même. Faut pas, ils vont avoir raison sur moi. Il n'y a pas à faire de le daddy. Hein? Il est quelle heure? D'accord. Je suis d'accord. Amen. Donc, et c'est comme ça le Seigneur, là où mon fils s'y attendait le moins, il n'a même pas postulé pour travailler. C'est venu le trouver. Alléluia. Il n'a pas possible pour travailler là, c'est venu le trouver. C'est dans ça, sa femme et lui, tous les matins, non, pas tous les matins, une fois dans la semaine, ils envoyaient, c'est-à-dire chaque semaine,
10 000 pour ma popote. Dans l'église, là, c'était les seuls qui faisaient ça. Bon, à ce moment, nous aussi, on flottait dans le coin ici, c'est-à-dire dans l'endroit où on est assis ici. Et tous les, chaque semaine, 10 000 agents de popote. J'ai regardé mon fils là jusqu'à... J'ai dit d'accord, ok. Dès qu'il a commencé à travailler, il y a eu quelque chose qui s'est passé au niveau de son travail. Pour rien. C'est combien qui était perdu? 10 millions. Et lui, il est celui qui gère toute la comptabilité de... Je suis trésorier comptable. Voilà. Non. Dès que mon fils a perdu les 10 millions, il a commencé à paniquer. Il n'a pas perdu. Il a fermé le coffre et 10 millions là, on trouve pas. Tu avais commencé à travailler, ça faisait combien de temps? Ça s'est arrivé. 2 semaines. Tu vois quand sorcier te cherche. Tu vois quand. Donc vous comprenez pourquoi avant que Dieu ne te donne quelque chose, il nettoie d'abord autour. Tu comprends maintenant, non? Il nettoie d'abord bien pour ne pas que ce qu'il va te donner là, il va avoir ennui dedans. Attends, tu es pressé, mais Seigneur, touche mon problème rapidement. Oh, lui, il sait que c'est ça là ton problème, hein? Mais il nettoie d'abord à côté. Bien. 2 semaines, tu perds 10 millions, frère. Normalement, l'entreprise se fait quoi? On t'envoie où? Ok. Et ça gâte définitivement ta carrière. Quand ça s'est passé, sa femme m'a appelé pour m'informer. Lui, il m'a appelé également. Il était au travail, il tremble. Papa. J'ai dit, Patrice, il dit oui. Tu me dis, hein, si c'est pas ce que je te dis. J'ai dit, Patrice, il dit oui. Tu as pris l'argent là? Il dit jamais, papa. J'ai dit, ok. De qui es-tu fils spirituel? Il dit, toi. J'ai dit, donc tranquille. C'est pas ce que j'ai dit? Est-ce que vous avez dit? Hein? Est-ce que tu as dit? Pendant qu'il tremble, et la banque l'appelle, c'est-à-dire il doit aller verser, il faut qu'il aille verser. Attends, 10 millions, là n'est pas là. Je lui ai reposé la question. De qui es-tu fils spirituel? Il dit, toi. Tu es sous le manteau de qui? Il dit, toi. Il dit, va. Dors tranquille. Quand il est raccroché à lui, moi, je me suis tourné maintenant vers mon Dieu. J'ai dit, ça, c'est plus une affaire de mon enfant et toi. C'est toi et puis moi. Il s'est reconnu sous l'autorité que je suis. Maintenant, je vais te poser une question, Seigneur. Mon fils m'a dit qu'il n'a pas pris. Mais je ne veux pas prier pour quelqu'un qui est un voleur. Il n'est pas fait enfant voleur. Dis-moi s'il n'a pris ou il n'a pas pris. Dieu me dit clairement, il n'a rien à voir dedans. Il dit d'accord. Donc c'est une affaire d'esprit. Il dit oui. Il dit, mais il fait quoi? Il dit, mais je t'ai donné le pouvoir. Commande. J'ai dit, ok. J'ai dit, Seigneur, merci dans le nom de Jésus. Cet argent-là, vous qui avez pris là, vous ramenez ça là-bas. Alors, maintenant, dis-nous la suite. Et puis maintenant, tu vas aller t'asseoir. Dis-nous la suite après la prière. J'ai un patron tellement méticuleux, tellement compliqué. Et c'était le jour le plus terrible de ma vie. Au téléphone, je pouvais le... Je dis, c'est-à-dire, si tu le touchais, il allait s'évanouir. Mais est-ce que tu t'imagines, tu viens de travailler, tu as cherché travail. Vas-y. J'ai 2 caissières. Elles finissent les soirs. J'ai une clé du coffre, la caissière principale est une clé du coffre. Elles finissent les soirs. Matin, je viens prendre la... Matin, je prends l'argent, j'arrive à la banque, je fais le point avec la dame. Il se trouve que je ne trouve pas 10 millions. Je retourne au service. Je commence à chercher dans le coffre, rien. Je panique, j'appelle ma femme d'abord. Après, j'appelle papa. Il dit, reste tranquille, reste serein. Donc, j'étais serein. J'appelais à la banque. Elles ont fait leur point, dit non, tu n'as pas laissé 10 millions ici. Franchement, jusqu'à aujourd'hui, je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais 10 millions ont été retrouvés. Je ne sais pas dans quelles circonstances. 10 millions ont été retrouvés. Lui-même ne sait pas.
C'est allé et puis ils ont, c'est-à-dire où ça a disparu là, c'est réparti ces mecs là. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, il essaie de, c'est-à-dire, moi j'ai simplement dit aux esprits familiaux, mon enfant là. Si vos veilleurs là vous ont donné des radars pour dire travail, je vous dis une chose. Lui là, tous les débuts de semaine, chaque lundi, il envoie sa femme pour déposer 10 000 pour qu'il y ait à manger chez moi. Je vais ajouter quelque chose. Les églises étaient fermées. C'était au temps de Covid où on avait fermé les églises. Donc vous comprenez qu'il n'y a pas de quête. Voilà. Et en plus de ça, je n'avais pas l'eau glacée pour boire. Lui là, il a envoyé frigo chez moi. Vous les esprits là, je ne sais pas, je sais pas pour qui vous prenez. Hein. Mais écoutez-moi très bien. Écoutez-moi très bien. L'argent là, répartez mes remettre là-bas. Vos conneries, vous êtes dedans, vous faites dans les banques là. Les vieux marabouts sorciers. Les petits brouteurs seulement les voir. Ils font des incantations et puis l'argent disparaît dans les banques. On accuse des pauvres personnes qui perdent leur travail là. Hé, hey, celui-là, il est sous la couverture de l'Ipata. C'est que vous êtes dedans là. Allez me remettre l'argent là-bas. On ne sait pas ce qui s'est passé. Ils ont son argent. Comment? Si ce n'est pas un esprit qui peut connaître combinaison de coffres là, parce qu'il n'y a que lui et puis qui? La caissière principale. Oh, eux, ils sont partis à la maison, c'est pas ça? Chacun a sa clé. Hein? Chacun a sa clé. Le lendemain, ils viennent là, ils allaient coucher. Donc, il y a des bénédictions, si Dieu te donne maintenant, et puis il ne prend pas la peine de nettoyer autour de toi tous tes antécédents spirituels, ça va te tuer. Les esprits là vont te trouver dedans pour te tuer. Tu peux même être enceinte et puis tu vas, quelque chose va se passer dans ta grossesse. Toi-même, tu peux mourir. Donc quand Dieu prend son temps pour nettoyer ton affaire, là, nettoyer ton palabre, ou bien il prend son temps pour nettoyer la richesse qu'il veut te donner là, hein? Faut le laisser faire, puis tu te tais, puis tu le regardes. C'est toi qui es embrouillé, qui es pressé, sinon lui n'est pas pressé. Nous, pour nous là, on est des chrétiens, Jonako, on veut vite fait. Bien, on vit en même temps. Mais lui, il sait pourquoi il prend son temps. Aïe, tu ne comprends même pas comment le monde spirituel opère. Toi, tu sais quels sont les esprits de famille qui sont assis, qui disent dans cette famille-là, une milliardaire ne va pas sortir de là. Or, toi, Dieu t'a promis la richesse. Donc, il n'a pas promis que toi, tu vas faire partie du lot des millionnaires. Il dit, toi, tu vas être extrêmement riche. Partout où tu passes, c'est comme si tous les hommes de Dieu se sont accordés pour dire la même chose. Or, ils ne se connaissent pas. Ça veut dire que la prophétie que tu portes là n'est pas un mensonge. C'est parce que c'est vrai que tout le monde dit la même chose sans se connaître. Maintenant, la question est, pourquoi ça tarde? Et si elle tarde, attends-la. Dieu veut que l'âge de ton esprit là grandisse. Parce que si tu n'es pas mûr, il y a des bénédictions, ça va te perdre. Si tu n'es pas mûr, que tu deviens chef d'État. En tant que chef d'État, tu as fait défiler les petites au palais. Tu as donné RAV 4 au palais en désordre. Tu ne vas même pas voir dedans, tu vas perdre ton pouvoir un matin. Donc, même si tu es prédestiné à quelque chose, et puis Dieu ne t'a pas nettoyé avant de te donner, c'est qui t'a donné, là va te tuer. Donc, il fait exprès de faire. Lui-même, il sait que ça chauffe ton cœur. Toi, où tu es là, toi, tu veux qu'il te donne ça pour que toi, tu montes aux autres que... Vous là, vous avez ri de moi, non? Aujourd'hui, voilà ma voiture. Aujourd'hui, voilà ma maison. Ah, Dieu, lui, n'est pas dans la... Toi, ta manière de voir là. Non, lui, il dit non. Ça là, celle-là, elle n'a encore rien compris. Elle n'a encore rien compris. Amen, mon fils, va t'asseoir. Tu es béni. Et reste dans cette élévation. Alléluia. Alléluia. Amen. Souvent le diable est violent avec vous parce que ça dépend aussi du manteau sur lequel tu es. C'est-à-dire, il s'est dit, oh, mon cher,
Toi, tu es sous un feu étranger. Tu penses que tu es sous bon manteau. Ton feu étranger sous lequel tu es là, c'est moi-même et lui est dans ce qu'il a là. Mais quand Satan sait que où tu es habité maintenant là, tu n'es pas dans le fait de quelqu'un qui fait des incantations kabbalistiques, des je ne sais pas, des quoi. Non. Quand lui-même il sait là, quand Dieu vient et puis te donne ce qu'il t'a donné là, ce n'est suivi d'aucun chagrin. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Donc, l'esprit du monde, le seul, je ne vais pas dire le seul, mais l'un des pionniers des disciples de Jésus à avoir traité le cas de cet esprit est Jean. Qui est Jean? Jean est le seul disciple qui dormait sur le cœur, la poitrine de Jésus. Jean est le disciple qu'on appelle le disciple immortel. Est-ce que vous savez que Jean est le seul disciple qui vit encore? L'apôtre Jean. Celui qui va dire les morts, là, il ment. Il n'a aucune preuve. Il n'y a aucune preuve théologique. Il n'y a aucune preuve biblique. Ah, je vous choque ce matin. L'apôtre Jean vit encore. Ça te choque, non? Hein? Il est où? Hein? D'accord. Il se trouve que Jean a été vu sur une montagne. Écoutez-moi très bien. Jean a été vu sur une montagne vieux de plus de 2032 ans. Mais plus jeune que toi. En train d'intercéder pour les nations jusqu'au jour d'aujourd'hui. Souvenez-vous de cette phrase de Jésus qui a dit ceci à Pierre. Il dit, Pierre, m'aimes-tu? Pierre dit oui. Il dit donc, suis-moi. Deuxième fois, Pierre, m'aimes-tu? Pierre dit oui. Il dit, suis-moi. Troisième fois, m'aimes-tu? Pierre dit, ah, Seigneur, tu sais que je t'aime, tu sais toutes choses. Et il lui dit, quand tu seras vieux, du moins, quand tu étais jeune, tu partais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, quelqu'un va te ceindre les mains et va t'amener où tu n'as pas envie d'aller. Et la Bible précise qu'il était en train de dire, prédire à Pierre de quel genre de mort il mourrait. Et maintenant, pendant qu'il parlait à Pierre, la Bible dit, Jean arriva. Et Pierre demande à Jésus, mais est celui-ci, qu'en est-il de lui? Comment lui il va mourir? Jésus lui dit, regardez la réponse de Jésus. Il dit, mais toi, que t'importes-tu? Que t'importes-tu? Si je veux qu'il vive jusqu'à ce que je mais pourquoi il ne dit pas, que t'importes-tu? Si je veux qu'il vive. Non, si je veux qu'il vive, tout simplement. On est d'accord? On est d'accord? Mais quand il dit, que t'importes-tu? Si je veux que celui-ci vive jusqu'à ce que je... Pourquoi Jésus met le jusqu'à ce que je revienne? Ce n'était pas une figure de style. C'était une révélation qu'il donnait à Pierre. Et donc, Pierre, qui avait compris le sens, Pierre a commencé à répandre partout que Jésus a dit, celui-ci ne mourra pas. Et or, le texte dit, or, Jésus n'avait pas dit ça. En réalité, Jésus n'avait pas dit ça comme ça, mais voici la pensée de Jésus. On se comprend? Il se trouve qu'il y a un grand serviteur de Dieu qui était allé jeûner quelque part sur une montagne. Le Sadou. Vous avez entendu parler de lui? Le Sadhu, un homme de Dieu indien qui a marqué son époque. Et ce dernier-là, lui aussi, son affaire, on ne comprend pas, parce que jusqu'au jour d'aujourd'hui, on ne retrouve pas son corps. Il a été enlevé. Et ce dernier, avant de mourir, il était allé jeûner sur une montagne. Et c'est sur la montagne-là, il a rencontré un vieillard. Mais il dit le teint du vieillard est plus éclatant que le nôtre. Et il avait pensé que c'était un ange. Et le vieillard lui dit, non, touche-moi. Il a touché, il a vu qu'il a une chair et des os.
Il demande au vieillard, mais comment se fait-il que, à l'âge que tu as là, tu peux te retrouver reclus jusqu'à... Parce que pour ton âge là, comment toi tu as fait pour monter quand là, au sommet de la montagne là? Et le gars lui dit, j'y suis, ça fait plus de tel nombre d'années, intercédant pour les nations en fonction de ce qu'il m'a montré. Il a montré quoi? En Apocalypse. Tout ce qu'il lui a montré là. Il fallait que l'un des pionniers, l'un des disciples, l'un de ceux qui ont marché avec lui, reste sur la terre pour demeurer, c'est-à-dire pour, si vous voulez, être l'une des dernières lumières encore allumées. Quand ce gars-là, Sadou, est descendu de la montagne, il dit, au moment où lui, il partait pour aller chercher les gens, pour venir, pour les informer, vous savez ce qui s'est passé? Le Saint-Esprit a effacé sa mémoire. Il ne s'est plus jamais rappelé de la ville, du lieu, de la montagne. Du coup, de lui. Qui est cet homme mystérieux pour qu'à cause de lui, on cache, on enlève, on nettoie le disque dur de quelqu'un? On a vu le corps de Pierre. On sait où Pierre est mort. On a vu le corps de Matthieu. On a vu le corps de tous les autres. Mais, on nous dit Jean est mort. C'est ce que les gens disent. Il n'y a aucune preuve. On dit juste qu'il est mort de vieillesse heureuse. D'après les gens, il est mort de vieux jours. On n'a pas les preuves. Beaucoup disent qu'il est effectivement mort. D'autres disent qu'il vit. Mais moi, ce que je vous ai dit là, ce n'est pas une révélation, c'est ma conviction. Je ne sais pas si on se comprend. Ma conviction. Je suis certain, en me fiant au dit de Jésus, qui dit, que veux-toi? Qu'est-ce qui t'importe? Si moi, il veut que lui, là, il vive. Je suis sûr que Jean. Parce que voici un homme, on l'a pris, on l'a mis dans marmite bouillante d'huile. On l'a pris, on l'a mis dans les... Vous voyez les goudrons, là? Goudrons, là. Hein? On a bouilli des goudrons. Voilà, les chaudrons que les gens à l'époque prenaient pour faire les murs. Là. On a versé ça sur Jean. Ça n'a touché aucune partie de son corps. Voilà quelqu'un, on prend le main au sommet comment on appelle, le même coin où ils ont jeté Jacques. Et puis Jacques est quitté, il est tombé. La tête de Jacques a éclaté. C'était sur la haute muraille de Jérusalem. On a mis Jean là, on le jette. Jean tombe sur son cou. Jean se relève. Il marche, il prophétise pour partir. C'est comme ça qu'on l'a pris pour l'amener maintenant à Patmos. Parce qu'on ne pouvait pas le tuer. On fait tout. On prend des flèches, on tire sur lui. Quand flèche là vient, ça le tape, ça tombe. Pac, 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 pac. Allez, dit au dozo, la vraie antiballe là, c'est en Jésus. Alléluia. Alléluia. Bref, je referme la parenthèse. Alors donc, c'est Jean qui parle de l'esprit du monde. Et Jean dit, en 1 Jean chapitre 2, verset 14, il dit, jeunes gens, je vous écris à vous parce que vous êtes forts. Maintenant, il dit par la suite, n'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. N'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Il va plus loin et il dit, ceux qui aiment le monde font quoi? Pasteur Simplice est où? Il est où? N'aimez pas le monde. Voilà, je suis à la page. Il dit, ceux qui aiment le monde, il dit, celui qui aime le monde, verset 16, hein? 1 Jean 2, là je suis au niveau du verset 16, j'ai déjà lu le verset 15. Il dit, bon, je vais relire le verset 15. Il dit, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Donc ça veut dire, il y a le monde, mais c'est quoi? Qu'est-ce qu'il veut dire par n'aimez pas le monde? Est-ce qu'il veut dire, il ne faut pas aimer notre globe terrestre dans lequel on est? Ou il parle de quoi? C'est pas vrai? Il faudrait qu'on sache, c'est pas vrai? Il faut qu'on soit à mesure de faire le distinguo. Entre le monde, parce que le monde ici, là, il parle de quoi?
Le monde duquel il parle du système. Il parle du système en place. Quel est ce système? Le système du monde, c'est quoi? C'est ce que je vous ai dit. Le système de pensée. Les pensées perverses. Vous comprenez? C'est pourquoi l'apôtre Paul dit que toute pensée captive vienne à Christ. Vous comprenez? Donc, il parle du système. Donc, le système de pensée du monde. Et c'est quoi le système de pensée du monde? Fait le mal. C'est quoi le système de pensée du monde? Détruit son prochain. C'est quoi le système de pensée de monde, du monde? La cruauté, l'animosité, les querelles. Amen. Et toujours parlant du système du monde, dans le système du monde, il y a la tenue vestimentaire. Il y a la mode. Il y a la luxure. Il y a tous les excès. Il y a les convoitises. Maintenant, lui-même maintenant, va mieux nous expliquer, Jean, hein, le même Jean, va mieux nous expliquer quelles sont les caractéristiques, sinon quelles sont les trois caractéristiques de l'esprit du monde. L'esprit du monde, là, comment le reconnaître? Il nous dit ceci, au verset 16. Il dit, je reviens au verset 15, « N'aimez point le monde ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. » Verset 16, car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie ne viennent point du Père mais du monde. Donc voici les trois caractéristiques par lesquelles on va clairement reconnaître l'esprit du monde. Et l'esprit du monde se démarque par ces trois caractéristiques suivantes. La convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. Alors, c'est quoi la convoitise de la chair? Aujourd'hui, plusieurs personnes disent, oh, vous voyez, telle personne, il est Chanel. Tu vois la sœur là? Cette sœur, elle est Chanel. Le frère, il est Chanel. Mais qu'est-ce qu'on veut dire par il est Chanel? Il est Chanel, ça veut dire quoi? Jean dit, n'aimez pas le monde parce que le monde fonctionne sur trois principes. La convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. Évangéliste, la convoitise de la, ça nous amène à la question, qu'est-ce que la chair? Alors, il y a différentes façons de chair. Ouais. Il y a la chair en tant que matière argileuse, en tant que corps humain. Et c'est de cette chair ici que Jean parle. Maintenant, il y a la chair, ça là. Ça, c'est une chair aussi. C'est un pupitre, mais une chair. Une chair sur laquelle on se tient pour prêcher. On est d'accord? Dans chair, chair, là, il y a beaucoup de chair. Amen. Alléluia. Mais ici, moi, je vais parler de la chair en tant que corps, de la chair en tant que ce qui garde notre âme et notre esprit. Maintenant, écoutez très bien. Il dit la convoitise de la chair. C'est quoi la convoitise de la chair? D'abord, vous devez, pour mieux comprendre ici ce que Jean veut dire, parce que le verset là, vous, chaque fois vous lisez, vous ne comprenez pas. Dieu vous explique ça clairement ce matin. C'est quoi la convoitise de la chair? Hein? Avant même de parler de convoitise, revenons sur l'aspect chair. La chair, vous devez comprendre que la chair est une entité. Ouais. La chair que vous voyez là est une entité. Et la chair que vous voyez là, hein? La chair a un langage. La chair, écoutez-moi bien, la chair a un langage. La chair a des désirs. La chair a une volonté. La chair s'exprime. En un mot, la chair parle. Donc, voici les quatre cordes de la chair. Si je vais vous prêcher ce matin, la chair. En fait, la chair même, c'est un thème à part que je dois prendre le temps pour vous prêcher. Parce que dans nos églises, les œuvres de la chair sont manifestées. Et les gens ne comprennent pas que, vous savez,
L'ennemi duquel j'ai le plus peur, ce n'est pas Satan. L'ennemi duquel j'ai le plus peur, ce ne sont pas les démons. L'ennemi duquel j'ai le plus peur, et l'ennemi duquel tu devrais aussi avoir peur, cet ennemi-là, tu vis avec lui au quotidien. Cet ennemi-là, tu l'engraisses, tu le nourris, tu le rends propre, tu le rends bling bling. Et c'est lui qui va te conduire à l'enfer. C'est lui qui va te détruire. Cet ennemi-là, Paul a passé sa vie à se battre contre lui. Quand tu lis le livre de Romains chapitre 7, Paul dit « Oh, 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 misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort ?» Il parlait de sa chair. La chair, même Satan le respecte. Ce n'est pas du jeu. Tu peux résister à Satan. Tu peux le chasser, il va fuir loin de toi. Mais la chair, tu ne peux pas la chasser. On ne chasse pas la chair. Quelqu'un m'entend ce matin? Quelqu'un m'entend ce matin? On ne chasse pas la chair. La chair, on ne prie pas pour mettre le feu sur la chair. Jamais. Beaucoup parmi vous sont assis là, sont vaincus spirituellement par leur chair. Si vous voyez, certains sont des champions dans le sommeil à chaque culte. C'est parce que c'est des gens, sa chair l'a dépassé, s'est débordé. Ça a dépassé, c'est devenu viande. Lui, il n'est plus dans chair, c'est viande. Alléluia. La chair, je répète, la chair a un moyen d'expression. La chair a une volonté. La chair que vous voyez là, elle a sa volonté. Elle a ses désirs. C'est pourquoi Paul dit, les désirs de la chair sont contraires à ceux de l'esprit. Parce que la chair aussi a ses désirs. La chair aussi aime ces choses. La chair aussi s'affectionne de certaines choses. La chair aussi réclame certaines choses. Et ce n'est pas du jeu. Si tu es un chrétien qui n'a pas compris cet enseignement, ta vie spirituelle va être une vie de saleté, de boue, et ta chair va te faire rater le ciel. Les chrétiens Chanel aiment l'esprit du monde. Et l'esprit du monde, c'est cet esprit qui va venir faire enfler ta chair. Par ces trois principes, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie. La chair est un ennemi tellement redoutable que mon frère, quand tu veux prier les nuits là, ce qui te fait dormir là, ce n'est pas Satan. Quand tu veux jeûner là, ce qui t'amène à aller laper dans les mammites là, ce n'est pas le diable. Est-ce que je suis en train de te parler ce matin? Vous accusez quelqu'un, Satan est un ennemi vaincu, un ennemi dépouillé, ton plus gros problème qui va te faire rater le ciel, que Paul a compris, avec lequel il s'est battu toute sa vie, au point de crier à l'aide. Il dit, misérable que je suis. Qui va me délivrer de ce corps-là? Grâce soit rendue au Seigneur Jésus. Parce que Paul dit, mais quand vous lisez Romains 7, il dit, je veux faire le bien que moi-même je connais, mais je fais le mal que je ne veux pas. Aïe. Au point où à un moment donné, il arrive à un stade où il dit, mais si je connais le bien, et au lieu de le faire, je fais le mal. Donc qui le fait alors? C'est plus moi. C'est qu'il y a une entité à laquelle je vis qui fait ça. Moi-même, je sais que la loi de Dieu dit, tu ne convoiteras point. Moi-même, je sais que la loi de Dieu dit, tu ne commettras point d'adultère. Moi-même, je sais que la loi de Dieu dit, tu ne rendras point de faux témoignages. Mais pourquoi je mens? Moi-même, je sais que la loi de Dieu dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même.
Moi-même, je sais que la loi de Dieu dit, honore ton père et ta mère. Mais pourquoi je ne le fais pas? Pourquoi je ne le fais pas? Je ne le fais pas parce que je cohabite dans quelque chose qui a pour but de me détruire, de me faire rater le ciel. Et ce quelque chose-là a été activé depuis le jardin d'Éden par la consommation du fruit. Le fruit qui a été mangé par Adam et Ève, ce fruit a activé à partir de ce jour les désirs de la chair. Voilà comment la chair a commencé maintenant à devenir une entité. C'était depuis le jardin d'Éden. Sinon, à la base, Dieu avait créé la terre pour garder notre esprit et garder notre âme. La chair n'était pas censée nous contrôler. La chair n'était pas censée avoir des désirs. La chair n'était pas censée nous amener à faire ce que nous ne voulions pas. Mais, quand ils ont mangé le fruit, la pomme ou le fruit ou le raisin ou la banane ou le je ne sais pas quoi, ils ont mangé, la Bible dit ce qui est sur ces fruits. Donc, allez dire aux gens qui disent que c'est pomme là, rien ne dit que c'est pomme. La Bible dit c'est fruit. Tu comprends? Quand ils ont mangé le fruit, c'est là que l'entité dormante, qui est la chair, a commencé à réagir. C'est là l'entité dormante, qui est la chair, a commencé à prendre le dessus. Et elle a commencé à avoir des désirs incontrôlés, nous amener dans des pensées de volupté, nous amener dans des pensées de péché, des pensées sexuelles, des péchés déshonorants, des péchés salissant l'image de Dieu. C'est depuis ce fameux jardin. Frère, vous devez comprendre ceci. La chair, là, je répète, la chair, là, au nom de Jésus, ne brise pas la chair. Tu as compris ce que je suis en train de dire? Tu as compris ce que je suis en train de dire? Tu as compris? Ta chair, là, c'est toi. Ce qui va briser ta chair, c'est très simple. La chair s'assujettit. Elle se crucifie. Elle se crucifie comment? Soi-même. Avec l'aide du Seigneur Jésus. Parce que de toi-même, si tu veux assujettir ta chair sans l'aide du Seigneur, tu vas te battre, tu vas te battre, tu vas réussir 1 mois, 2 mois, 6 mois, tu vas retomber dans tes travers. Pour que au nom de Jésus vienne maintenant assujettir ta chair, il faut que toi, tu y mettes de la volonté. Sinon, au nom de Jésus seulement, non. Elle a besoin que tu l'assujettisses pour que au nom de Jésus là vienne maintenant avoir toute son autorité sur elle. Beaucoup de chrétiens ne veulent pas assujettir leur chair. Beaucoup de chrétiens laissent leur chair s'exprimer, prendre le dessus. La colère que tu manifestes là, la haine que tu as là, le manque de pardon que tu as là, les gens à qui tu ne veux pas pardonner, le papa de mon enfant m'a fait ceci, je ne suis pas prêt d'oublier. La mère de mon ceci m'a fait ceci, je ne suis pas prêt de faire ceci. Et telle soeur en Christ m'a dit ceci, je ne suis pas prêt, je lui adresse plus la parole, je suis tatata, etc. Et autres. La chair là, la colère que tu ne peux pas laisser là, est le résultat, est l'œuvre dominante de ta chair sur ton esprit. Or la Bible dit, tous ceux qui s'affectionnent aux choses de la chair ne peuvent jamais plaire à Dieu. Tous ceux qui s'affectionnent aux choses de la chair ne peuvent jamais plaire à Dieu. Donc vos gens qui vous disent, oh, un chrétien doit être chic-chic, un chrétien doit être ceci, cela. Mon frère, notre Dieu aime la propreté, c'est pas faux. Un chrétien doit être propre. Oui, la Bible n'a jamais dit un chrétien doit être chic-chic. La Bible dit un chrétien doit être propre. La preuve, Dieu enseignait même la propreté aux enfants d'Israël. Il leur disait dans le désert, quand vous partez faire popo là, allez loin du camp. Et quand vous finissez là, creusez trou, mettez popo là-dedans. Ah, vous savez pas ça? Il leur a jamais dit de chier, excusez-moi le mot est gros. Ben, les juifs là, ils chient très mal. Vous comprenez? Mais tout ce qui est, mes frères,
Hey, les juifs, les arabes là, ils sont presque cousins. Hein? Quand toi tu as force, frère, Jésus dit, j'ai dit Jésus, comment on appelle, le Seigneur dit, quand vous finissez, quand vous finissez là, creusez trou, mettez dedans. Amen. Non, on a un Dieu qui est très propre. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Hein? Mais en quoi l'évangile de la propreté dit faut aller te laver 6 fois par jour? Hein? Aujourd'hui, on voit des pasteurs, il faut laisser leur tchatcholi. C'est pas du jeu. Quand tu vois ces quintos, ça te parle. Les quintos du pasteur te disent, mon frère, ma chair, elle n'a pas encore été crucifiée. Il y a des pasteurs, quand tu le vois, je ne sais pas s'il met son doigt dans Djabi, mais son doigt est devenu genre, façon les femmes, là, vous voyez, celles qui mettent leurs doigts dans Djabi, et puis c'est un peu orangé, façon là. Tellement tchatcholi, tchatchola, le frère, le pasteur, il s'est tchatcholé jusqu'à fatiguer. Ça a été une dimension tchatcholu terrible. Parce que simplement, il a confondu la gloire. Pour lui, la gloire là, c'est être propre sur soi. C'est être extrêmement propre. Mon frère, la gloire là, ce n'est pas être extrêmement propre. La gloire là, on la porte en nous. Quand tu la portes en toi, hein, elle finit par devenir extérieure. Il y a des femmes, tu les vois, elles ne mettent pas pommade et puis elles brillent. Tu ne comprends pas, elles, son affaire là, c'est comment? Elle n'est plus dans affaire de tchatcholi, quoi. Et elle brille. Tu sais ce qui la fait briller? C'est la gloire qui est interne, qui devient par la suite externe. L'esprit du monde. L'esprit du monde aime tout ce qui est tape à l'œil. L'esprit du monde aime tout ce qui s'affectionne aux choses de la chair. L'esprit du monde. Jésus disait à ses disciples, vous savez, les gens vous prendront, on vous trimballera dans des tribunaux, on vous enfermera, tout ça. Et vous savez pourquoi? Parce que simplement vous n'êtes pas du monde. Si vous étiez des leurs, ils vous auraient jamais fait ça. Ce qu'on acclame, c'est parce qu'en fait, ils opèrent et travaillent avec l'esprit du monde qu'ils sont aimés. Ils sont adulés. Parce que la véritable parole de Dieu, le véritable évangile, tel que brut, tel que dur, mon frère, pour que même les gens partagent même ça là. Quand tu as fini de lancer là, départage. Mais il faut t'asseoir, il faut dire, est-ce que vous savez comment un ange apparaît? Est-ce que vous savez comment opérer dans la divinité? Ou bien est-ce que vous savez comment les secrets du mariage? Ça, c'est des trucs. Oh. 50 000 partages. 75 000 partages. Mais il faut venir. Mon service de com n'a qu'à faire la com de salapis, n'a qu'à mettre. La chair, elle a des désirs. Va regarder le nombre de partages. 3 partages. Et puis les 3 partages là, quand tu as regardé, ils sont à bobo. Tu n'as jamais vu les gens de Coco Diangré la partager ça là. Alléluia. Amen. Amen. Alors, il y a tellement de choses à dire ce matin sur l'esprit du monde. Mais, vous voyez, je voudrais m'arrêter ici dans cette phase introductive. Parce que je voudrais déjà, comme j'ai dit, m'arrêter là, dans cette phase introductive, parce que c'est quelque chose que je vais débattre avec vous suite de dimanche. Parce que je vais vous expliquer qu'est-ce que Jean veut dire par la convoitise des yeux. Je vais vous expliquer par qu'est-ce qu'il veut dire par l'orgueil de la vie. Je vais vous expliquer pour que vous soyez en mesure de comprendre et de détecter cet esprit, l'esprit du monde à des kilomètres. Notre système religieux est infiltré par l'esprit du monde. C'est dommage. C'est dommage. C'est dommage. Je ne vous attaque pas. Je ne vous attaque pas.
Mais nos jeunes femmes, au jour d'aujourd'hui, n'aiment plus leurs cheveux, naturellement. La belle chevelure que Dieu a mise sur sa tête, elle n'aime plus. Donc, tu les vois, hein, dans de ces modèles de mèches qui arrivent jusqu'à ici. Elle quitte dans humain, elle descend dans... Quoi là? Donnez-moi les modèles. Elle va au Brésil. Elle quitte dans le Brésil. Elle s'en va maintenant dans le naturel. Elle quitte dans le naturel. Elle s'en va dans la forêt du Banco. C'est-à-dire, l'esprit du monde a amené les jeunes femmes à ne plus s'aimer elles-mêmes. Elles croient qu'il faut enlever tous leurs sourcils pour se faire aimer. Ma femme que tu vois là. Ma femme que tu vois là. Yeah. Elle ne s'épile pas. Ce n'est pas que j'ai un souci avec. Elle ne s'épile pas. De toute façon, pour moi, elle est beaucoup, on dirait gazon là. Hein? Elle ne s'épile pas. Mais il y en a. Hein? Les descendants des Shaolin. Ils sont là? Les descendants des Shaolin. Il y a des femmes. Ce que Dieu a mis naturellement là. Toi, tu sais pourquoi il a mis ça là? Tu sais pourquoi il a mis? C'est pour que quand tu as commencé à transpirer là. Hein? Pour que toi-même, là, ça te protège les yeux. Tu sais ce qu'elles font? Le système du monde a amené la descendante de Shao Mao à croire que elle n'est pas belle sans ça. Donc, du coup, elle enlève tout. Et maintenant, Alléluia. Ma fille, ça va? Toi, ça va? Ah, d'accord. Tu aimes mon affaire? Toi qui es en jaune là, tu aimes mon affaire? Et t'entends pas? La voix sort plus. Hein? Tu es sûr que tu aimes mon affaire? Ah, d'accord, d'accord. J'espère que tu n'es pas descendant de Shao Mao. Amen. De belles femmes, de belles créatures, Jésus vous a fait à son image. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Est-ce que je peux vous dire? Je peux vous dire? Regardez. La parole de Dieu nous dit, Dieu forma l'homme de la poussière du sol. Et par la suite, quand on finit de dire ça, on dit Dieu plongea l'homme dans un sommeil. Et il prit l'une de ses côtes. Donc ça veut dire, si on veut bien calculer, c'est que l'homme n'avait pas... À l'école, on nous dit on a combien de paires de côtes? 13. 12 ou bien 13? 12. Donc à la base... Si je me tiens à ce que la Bible dit, c'est qu'on en avait 13. Et puis c'est la femme qui est venue enlever un. D'accord. Et la Bible dit, la femme, regardez, hein, Dieu l'a fait avec quoi? Elle a. Oh nous, les bras mogola, Dieu nous a fait elle à bout. Le mot formé là, tu sais ce que ça veut dire? Quand la Bible dit Dieu forma l'homme de la poussière du sol, le mot formé ici là, le grec qui est utilisé, tu sais ce que le grec qui est utilisé l'a dit? Le mot formé, ça veut dire l'homme a été formé boutoubata. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il veut dire par boutoubata? C'est-à-dire, l'homme a été formé brut, l'homme a été formé un coup. Tu comprends? Non, pas sans style. Ici, le formé ne dit pas sans style. Le formé veut dire l'homme a été pris, en fait, tiré de la terre à l'état brut. Voilà. Vous comprenez, non? Or, la femme, elles sont formées qui est utilisée là. Elles sont formées dans le grec de pour elle là. C'est-à-dire, Dieu l'a faite de façon raffinée. Amen.
Les femmes, acclamez-vous. Amen. Donc, vous êtes tellement, tellement, aux yeux de Dieu, vous êtes tellement, mais tellement précieuse. Hein? Vous dites quoi? Vous comprenez pourquoi maman s'appelle précieuse? Toutes les précieuses du Seigneur, acclamez-vous. Mais parce que toutes les femmes sont précieuses. Vous ne savez pas. C'est vous-même qui laissez les garçons et puis vous prennent comme ça, Iteria, il t'appelle, chérie Gogo, et puis tu réponds aussi. Comme toi-même, tu ne te connais pas là. Hein? Le même mot, il prend, il appelle, c'est petite Déo, bébé. Iteria, lui, un vieux, quoi. Hein? Bébé, bébé, dans la maison, bébé. Et puis toi aussi, tu réponds, oui, bébé. Faut lui dire, quand tu as sorti d'ici, faut me chercher bon nom. Hein? Si tu dois m'appeler là, ça n'a qu'à être un nom rare. Ce n'est pas le nom commun où tout le monde utilise ça. Hein? Alléluia. Voilà. Il y en a même là, tellement le monsieur ne la considère même pas. Agati. Il n'y a même pas nom de caresse même. Il appelle hein, son nom brut. Agati. Agati. Agati, viens ici là. Il n'y a même pas bébé dedans. Et puis elle aussi, elle répond. Oui, Gaspard, on dit quoi? Ah, vraiment. Amen. Il n'y a même pas. Alléluia. Bref. Amen. Pour faire plus sérieux, ce que je veux que vous reteniez, c'est quoi? C'est que nos sœurs n'ont pas besoin de se métamorphoser. Ne laissez pas un évangile sataniste venir vous faire croire que pour attirer le regard d'un homme, il faut perdre ce qui a fait de toi cette merveille dans le jardin. Alléluia. C'est si vous saviez ce que vous êtes. Tu vois, ma fille, elle a tes cheveux naturels comme ça. Tu as commencé, toi. Là, quand je vois, tu sais, il y a quelque chose de changé maintenant en toi. Quand j'avais marié mon épouse, c'était mon palabre. Ma chambre était remplie de mèches. Quand on dort la nuit, je prends mon épouse dans mes bras. Tout mes chumel est dans ma bouche. Il y a quoi? J'en ai souffert. J'ai dit, Seigneur. Et j'ai commencé à prier. J'ai commencé à prier. Seigneur, et les femmes des prophètes, il faut qu'elles soient sobres. Il faut que quand on la voit, les autres femmes ont envie de lui ressembler. Pas dans le mauvais sens du thème, mais en thème de vêtue. En thème de simplicité. Il faut qu'elle amène les femmes, les jeunes filles de l'église, les femmes de l'église, à vouloir aussi tricher son côté naturel. J'ai pris. Quand j'ai pris là, c'est là ma femme mène les longs mèches encore. J'ai dit d'accord. Donc, un de ces quatre matins, voilà comment le Seigneur maintenant va m'exaucer. Elle dort et puis en pleine nuit, elle-même, dans son sommeil, elle voit l'esprit des eaux qui vient pour venir, c'est-à-dire avec qui elle était en train de se battre pour mettre mèche là sur sa tête. Et l'esprit là lui disait pourquoi elle a enlevé mèche là, qu'elle n'a qu'à remettre. Et elle regarde à l'intérieur de mèche là, je crois que c'était comme perruque en fait. Elle regarde à l'intérieur de la perruque, elle voit les asticots, c'est ça? C'était pas ça? C'est que moi j'interprète mal alors.
Elle voit de la saleté à l'intérieur, un truc, etc. et autre, et tout ça. Ma femme, en pleine nuit, il voit quelqu'un me donne un coup de poing. Quelqu'un en train de se taper pour chercher à se réveiller. Maman, il y a quoi? Dors! Tu viens te réveiller? Dors! Elle se réveille en sursaut. Papa, chérie, il dit, il y a quoi? Il était 2h30 du matin. D'accord. Mon fils, je n'ai jamais brutalisé ma femme. Je ne l'ai jamais agressé en parole pour qu'elle enlève. J'ai fait ça en prière. Elle ne comprenait pas. Moi, je sais ce qui est dedans. Je prêche. Je suis démonologue. Je sais. Les femmes pensent que c'est non, ça s'embellit. Laisse mon cul chevelure là. Me reposer là. Tu as laissé ton cul chevelu. Donc, c'est pour ça, non? Je suis fatigué de tresser mes cheveux. Il y en a même qui prennent des exemples. Là. Ouais, ça, mes cheveux se cassent à tout moment. Nanani, nanana, etc. Et autres. Si ça se casse à tout moment, viens, je vais te donner l'huile de toutes les possibilités. Ça ne va plus se casser, ma fille. Ça ne va plus se casser. Tu ne sais pas que des femmes qui étaient chauves, elles ont commencé à utiliser l'huile là sur leurs cheveux. Cheveux ont commencé à pousser bien même. Elles sont en France. Elles appellent pour un témoignage. Il y a un cas même. La femme d'un homme de Dieu, elle est dans l'église ici. Il n'y a pas cheveux sur sa tête. Depuis, elle a commencé à mettre l'huile de toutes les possibilités sur sa tête. Cheveux a commencé à sortir. Donc, tissage, tu as mis qui a bouffé jusqu'à devant. Là. Tu ne sais pas ce que l'huile a fait. Toi-même, tu entends le nom. Toi, tu prends ça seulement que si maladie. Et le diable te baigne en te faisant croire que, en dehors de l'huile, comment on dit ça? En dehors de. Non, tu ne peux pas. Mais non. N'entrez pas dans le système de pensée du monde. Refusez ça. Refusez ça. Si tu as prié que Dieu te convainc de mettre les mèches, ok. Ok. Amen. Ok. Ce que je suis en train de dire. Ce n'est pas, comment on appelle, comment on dit, ce n'est pas un absolu. Pourquoi? Parce que ça, c'est une révélation que moi j'ai reçue. Ce que je sais, les Écritures disent, les femmes, n'ayez pas sur vous des tresses extravagantes. Ne vous parez pas de choses qui ne sont pas nécessaires. Mais incarnez la sobriété, comme votre mère Sarah était sobre. Ma fille, si tu peux garder tes cheveux, si tu peux garder tes cheveux, si tu peux garder tes locks là, entretenir ça bien, par moment, changer la couleur pour faire ça noir. Après, tu fais ça. Tu vois? C'est des choses. Je veux quoi? Je veux dire. Qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire. Racheter du Christ. Je vais terminer par ces quelques dernières phrases. Il faut que racheter du Christ. Il faut que quand on voit l'église en Côte d'Ivoire et on voit les rachetés du Christ, il faut que on vous voit à l'image du Dieu que vous dites servir. Et il faut qu'on vous voit aussi à la ressemblance même de votre père spirituel, de votre pasteur. Beaucoup parmi vous sont là. Hey, ce que j'aime chez papa, là, il est simple. Papa est sans façon. Mais c'est comme ça, moi aussi, je veux que tu sois sans façon. Toi, tu veux que moi, il soit sans façon. Et puis toi, tu es mille façons. On est où là? Pourquoi moi, il va être sans, toi, tu vas être mille? Amen. Donc, soyons sans façon ensemble. Amen. Alléluia. Alléluia. Maintenant, si toi personnellement, le Saint-Esprit t'a convaincu de mettre les mèches que tu as, tu les mets. Mais il ne faut pas que ça va être extravagant. Façon celle-là. Ça peut être sobre, simple.
Il ne faudrait pas que ça soit ta marque de fabrique. Il ne faudrait pas que ça soit sur ça qu'on te reconnaisse. Par moment, laisse tes cheveux naturellement. Il faut montrer que ça, tu n'es pas rattaché à ça. Tu peux ne pas mettre 6 mois. Pour faire savoir que moi, je ne suis pas rattaché à ça. Je peux mettre ça quand j'en ai envie. Mais il y en a qui ne peuvent pas vivre sans ça. Quand on voit la fille de dehors, et toi quand on te voit, il faudrait qu'on dise, celle-là, elle a quelque chose de différent. Qui est d'accord avec moi? Viens mon cœur. Viens mon cœur. Quand tu vois ta maman, et puis par exemple on voit une fille du monde, tu n'as pas voir qu'elle a quelque chose de différent. Et en plus, quand tu es l'arrière là, tu vois, elle a mis fond de teint. Jamais. Quand ma femme met fond de teint, elle devient, on dirait boubou clac là. Elle sait de quoi il parle. Oh. Amen. Mais quand elle ne met pas, c'est bizarre, je ne sais pas comment elle a fait son visage. Hein. Mais quand elle ne met pas. Donc du coup, je lui ai dit, tu vois, non? C'est moi qui t'aime. C'est moi là, je t'aime. Mais il y a des femmes, à cause de fond de teint, tu ne peux pas porter habit blanc pour dire, ma fille, viens, tu vas me faire câlin. Wow. Tu as amené ton habit là. Pressing est petit, cherchez un autre nom. Ah! Amen. Parce qu'aujourd'hui, on a des gens qui font croire à nos filles. Faut te faire belle. Et puis tu vas aller t'asseoir à Sokossé. Ton mari est là-bas. Comment se marier? Des enseignements bidons. On n'enseigne pas à nos filles la vertu. On ne leur dit pas, écoute, tu n'as même pas besoin de courir derrière garçon. Fais l'œuvre de ton père. Cherche ton Dieu. Garçon là, ça va quitter pour venir te trouver. Qui t'a dit que Rebecca est partie chercher Isaac? Tu as vu ça où dans la Bible? Rebecca était chez son papa. Elle était tranquille. C'est Abraham même qui a envoyé quelqu'un. Et puis c'est comme ça. Je ne sais pas si on se comprend. Hein? Tu as vu Rebecca courir derrière ça? Aïe! Tu as vu, elle s'est maquillée. Elle a voulu se faire chichi pour chercher à plaire. Non! Écoute! Il y a des filles là. Quand on voit ce qui te passe en tête là, vous savez déjà ce que je veux dire. Voilà. Il y a des filles, quand tu la vois, tu ne penses pas mariage, hein, tu penses à. C'est comment? Alors, c'est Yopougon, non? Dans Yopougon, c'est Poc. Poc au fou. Quand tu la vois là, c'est comment? Alors au Pocodio. Maintenant, tu t'en vas au Pocodio. Il y a un peu de vin. Bon, ma petite, on va laisser faire des conjugaisons là. Hein. Hein? Voilà, on a laissé affaire de trop parler là. Affaire de moi, il a dit que toi, il a dit que mon poumon droit est rentré ici, mon poumon gauche s'est entremêlé. Faut laisser affaire des poumons là. C'est comment? Hein? Alors, tu n'as pas sommeil, hein? Alors, on dormit. C'est fini. Elle va te suivre pour partir. Parce que elle-même, elle a fait en sorte de ressembler à ça. Et regarde comment un pervers en 2 temps, 3 mouvements. C'est-à-dire qu'il n'a même pas de respect pour la gente féminine. Il te fait même pas de courtoisie. Il n'y a même pas de délicatesse. Rien. Il te regarde. Et comme tu es, c'est-à-dire comme pour lui, tu es sexuel, il te prend. Allons à l'hôtel. Voici ce à quoi tu ressembles. Voici ce que, en fait, toi-même, ce à quoi tu veux ressembler. Mais quand il va t'approcher, et puis ton championnat n'est pas petit championnat. Ou même pour pouvoir même avoir bille sur sa joue, il voit que ça fait 4 ans que vous êtes dedans. Frère, il va dire, ouais, il a cherché femme, hein, mais celle-là, elle a enlevé ça dans mes yeux. Mais toi-même, tu te laisses facilement avoir par l'esprit du monde. Tu te dis,
Il faut que j'entre dans le système du monde. Sinon, s'il ne fait pas ça, pour moi, on ne peut pas sortir. Bien-aimé, je termine. Hein? Mon épouse, elle n'a pas fait ça pour me séduire. Elle n'a pas fait ça pour me séduire. Au contraire, c'est moi qui ai fait ça pour chercher à la séduire. C'est-à-dire, c'est moi qui ne dormais plus, il n'était pas tranquille. Oui. Ah. C'est moi qui ai dit non. C'est moi qui ai dit non. Pourtant, avant elle, je suis allé dans le monde, j'ai fait le monde. J'ai vu aussi le monde. J'ai vu toutes sortes de modèles, tout genre. Il n'y a même pas dans le monde où il a fait tout ça là, une à laquelle il a pensé même, on a lié mes bagues dans ton doigt. Pourquoi? Parce que toi-même, à quoi tu ressemblais? Mes filles, ne laissez pas les gens vous acheter à prix de porc. Il te prend là, il te dépose devant porc au fou là, et puis il vient là. Hein? Ne laissez pas les gens vous acheter au prix d'un poulet. Poulet piqué. Après toi, tu te retrouves piqué quelque part. Vous avez un Dieu, mais qui a tellement misé sur vous. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Que mon message ce matin ne vous choque pas, mais vous interpelle. Que mon message vous interpelle. Je ne suis pas encore entré. On n'a pas encore décortiqué l'esprit. On n'a pas encore décortiqué. Je vous ai dit, je vais vous faire ça. Cartographie, ça, pas, bon, pas, du moins ça, comment on dit là, sa description, sa présentation. Je t'assure que quand il a fini de te faire ça là, toi-même tu vas haïr cet esprit. Parce qu'en fait, tu vas voir qu'il est rentré dans ta vie duplicitement, c'est-à-dire avec ruse. Tu ne t'es même pas rendu compte, et puis il est entré. Il a commencé par des banalités en t'amenant à aller t'abonner sur des pages people, des, j'ai rien contre ces personnes, hein. Des Emma Louès, des Nathalie Koa, des quoi, t'amener à regarder la vie des gens qui te vendent le rêve. Et puis tu t'assois, tu te plains sur ta vie, tu dis pourquoi je suis né de Serigne Oleba Gaspard, ce vieux-là, pourquoi c'est là-bas que je suis né? Pourquoi je ne suis pas né, je ne suis pas enfant de Bédier? Parce que simplement, l'esprit du monde, est-ce que Dieu parle à quelqu'un ce matin? C'est-à-dire parce que l'esprit du monde est en train de t'amener au fait à détester tes racines, détester tes origines, détester d'où tu sors. Le vieux planteur et la vieille ménagère qui se sont battus pour qu'au moins, même s'ils n'ont pas pu t'amener à Paris, pour qu'au moins tu aies quand même quelque chose à manger là. Il est en train de t'amener à regretter tes origines. Je te dis, tu vois, non? Donc toi, tu crois que il faut que tu te métamorphoses pour entrer dans le système de pensée du monde. Petit à petit, tu as commencé à te regarder, tu as dit, mes soucis là, mais fais quoi ici? Toi qui te la fra. C'est là maintenant, viens prendre place maintenant, Shaolin. Ça c'est le premier critère. Quand ça quitte dans l'affaire de Shao Mao, ça va maintenant dans l'affaire de... Il dit, faut passer ta langue, ça fait style, ça fait un genre. Tu la vois? Toi-même, nourriture, tu gagnes pour manger à la maison, là, ça te suffit même pas bien. Sauce, tu gagnes pour la paix, là, ça te suffit même pas bien. Tu t'es empêché langue pour que encore le reste verse. Langue, là, telle que celle-là, manger, là, te suffisait pas. Hein. Tu t'es empêché encore le peu, là, ça verse. Tout ça, là. Et le diable, en train de te dire non. Maintenant, ça quitte là-bas maintenant. Il va venir maintenant te dire, regarde, il faut percer ton nez. Tu sais, tu as un gros nez. Donc, il faut percer. Genre, tu as fait style façon là. Un matin, ça va au marché, revient, tu entends. Wah! Le nez est blessé. Tu m'attends, hein? Tu m'attends? Ça quitte là. Vous savez ce qu'il fait maintenant? Il vient dire, oh, tu sais, naturellement, tu n'es pas fraîche, tu n'es pas stylée. Donc, il faut mettre les faux ongles là. Donc, qu'est-ce qu'elle fait? En taille, c'est pas que faux ongles, ça va placer là. Crédit de ça là, elle va voir ça plus tard. Parce que c'est que ça va montrer à ses vrais ongles. Après, elle comprend pas encore. Hein? Il y a plein de femmes. Si tu leur dis, faites comme ça.
Tu as voilé l'ongle là. Frère, ça a te parlé. Tellement, ce que Call Alpha a montré à ongle. Call Alpha lui a montré que moi là, on m'appelle Jagger. Je suis Alpha Blondie. Il ne m'appelle pas Alpha seulement. Il faut mettre Blondie dessus. Call là, tu es en train d'enlever tout doigt là maintenant. Ça date doigt de beaucoup. Il y a orteil de plein de femmes qui sont bousillées à cause de conneries de ce genre. Ce que je vous dis là, c'est un cri de cœur de papa spirituel. Mon âme me fait mal parce que vous êtes l'image de Dieu que le diable essaie de faire croire. Hey, tu n'es pas belle sans ça. Le monsieur là, il ne va rien faire toi sans ça. Si dans ton comme tu es là, il ne sait pas reconnaître une perle, ce n'est pas un homme. Faut l'envoyer balader. Quand ma femme venait dans ce ministère, elle avait fait mèche raga. Mèche raga, là. Comment il rencontrait ma femme pour la première fois, hein? Hein? Mèche, là, ça arrivait ici. Aïe. Est-ce que c'est moi, c'est toi? Tu connais l'affaire, là? Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Voilà, donc vous voyez que je ne suis pas en train de t'attacher toi seulement. J'attache partout, frère. Amen. Mèche de ma femme. Donc quand j'ai vu ça, oh, le Saint-Esprit, ce jour-là, m'a dit, va au programme là. Et puis, je ne voulais même pas faire programme. C'était à cause d'elle-même, il a voulu qu'il fasse programme. Moi, je ne savais même pas que j'allais rencontrer ma femme. Et ce jour-là, il me fait aller vite avant. À 19h, on me voit, il vient. Moi, mais c'est même parce qu'il vient chercher. Tiens, il venait voir ma femme. Quand il l'a rencontré, quand il a vu Mèche là, j'entends la voix du Seigneur qui me dit, voici celle que moi, je me suis choisie pour toi. Et il me dit par la suite, je t'ai donné ce qu'il y a de meilleur dans mon pâturage. Quand il l'a vu, mon cœur est tombé 4 fois dans mon ventre. Au moment où je me suis retrouvé là, tu sais ce que Satan va venir me dire? Au moment où je me suis retrouvé, Satan va venir me dire, est-ce que tu vois Raga même? Qu'est-ce que ça t'aime? Ah, en tant c'est pas petit Raga. J'ai dit, où c'est arrivé là? Et, tchao, il allait me faire passer à côté d'une perle comme ça. Donc, ce que je vais vous dire, si un homme est avec toi et il ne sait pas reconnaître un diamant dans la boue, il n'est pas un homme. Parce que même un diamant dans la boue reste un diamant. Il ne perd en jamais sa valeur. Enlève ça dans la boule à lave. Tu vas voir à quoi il va ressembler. Tu as compris? Donc, si lui, il ne sait pas reconnaître la perle que tu es, tu fais quoi avec quelqu'un comme ça? Tu fais quoi avec quelqu'un comme ça? Ce n'est pas Ragatou, on a enlevé. Ce n'est pas elle qui est magnifique, qui est assise là. Hein? Amen. Alléluia, alléluia, voilà. Ne laissez pas des gens vont vous amener à déjà abîmer vos cheveux. Vous n'êtes même pas encore âgé et puis à force de mettre des comment on dit ça, comment vous appelez ça là, les trucs non, le col là, ça fait que ça a rendu plein de jeunes femmes chauves, etc. et autres. Tu vois, hein, tout ça. Mais le Seigneur est souverain. Je sais une chose, c'est Jésus qui transforme. C'est pourquoi nous venons à lui tel que nous sommes. Nous venons à lui avec tout ce que nous avons là. Et puis lui-même, il prend la peine de nous dépouiller, de nous laver, de nous nettoyer, de nous nettoyer, de nous nettoyer. Ça ne va même pas venir de toi. Hein. Toi-même, tu ne vas même pas savoir comment ça va se passer. Tu comprends ce que je t'ai dit? Toi-même, tu ne vas même pas savoir comment ça va se passer. Qui aurait cru que moi, j'allais passer à côté de musique païenne et puis ça va m'énerver? Je ne veux même pas même entendre ça. Ayez confiance en Dieu. C'est pourquoi ce n'est pas des hommes bien qui viennent à Dieu. C'est de mauvaises personnes. Tu es tombé, ce n'est pas grave. Viens à l'église. Tu es bizarre, c'est pas grave. Viens à l'église. Ce que j'ai dit là, ce n'était pas pour te dire que tu n'as pas ta place dans la maison de Dieu.
Je suis en train de parler d'un esprit qu'on veut t'inculquer pour que cet esprit-là cohabite avec toi. Or, tu es une image tellement rare que Dieu a fait. Donc, il faut montrer souvent à Mèche là que hey, je peux te laisser jusqu'à même 6 mois. Pour dire que tu ne seras jamais un Dieu sur moi. Pour dire que ma vie là va dépendre de toi. Si j'enlève mes mèches à côté de lui, qui ne peut pas m'aimer comme ça? C'est son problème. Aïe. C'est qu'en réalité, il ne m'aime pas. Alléluia. Que Jésus nous bénisse. Dimanche, nous allons aller un peu plus en profondeur dans ce thème. Les musiques des Dadjou tu as dans ton portable, là, je mets le feu dans ton portable. Tu as une semaine pour m'enlever tes musiques bizarres dans ton portable, là, sinon ton portable va disparaître à Abidjan ici au nom de Jésus. Je te dis, hein. Aïe, tu vois pas ce que la puissance de Dieu fait à elle, lui, de toutes les possibilités. Ton portable va disparaître à Abidjan ici. Amen. Attends, où il parle là. Si il dit mettez les portables sur son éri, il y en a là. Oh 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 oh. Portable là-bas, les onis tout de suite. Tu vas entendre tout de suite là. Les chansons. Comme quoi? Mawanaya. Amen. C'est quoi qui m'a mis à Nile? Vraiment. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Gloire à Jésus-Christ. Jeune fille, jeune gens. Ne vous laissez pas avoir. La Bible dit, celui qui aime le monde, l'amour de Dieu n'est point en lui.